Comme si je n'existais pas. Hey, wow. Elle est passée à côté de moi. Yeah. Aïcha. Aïcha, écoute-moi. Là, là, là. Après, bon, t'es pas Aïcha, mais je t'en veux pas, c'est Aïcha. Mais bah, ça, c'est un détail. C'est un détail. Oui, c'est Aïcha. C'est un détail. Les brigands de la cahier vont venir te calmer. Putain. Abigail, Abigail a volé ta caisse. Salut à mon frère Pétain, Abigail a volé ta... Comment il... Mais n'importe, qu'est-ce qu'il raconte lui? Allo Ren. Salam, ça va ou quoi Salam, mon pote? Salam mon frère, ça va et toi? Ouais, comment ça Abigail elle a volé ma caisse? C'est une dinguerie ça. Elle a dit si moi je vais être gouverneuse, si moi je vais être gouverneuse, elle s'est barrée. Ah ouais, ouais bah ouais. T'as bien, bizarrement c'est elle la gouverneuse. Ah, elle est passée gouverneuse, c'est pas toi? Non, ça a fait 56-43 toute la soirée. 56-43? Elle a activé ouais. le 9-43 du coup. Le 43-9, ouais, je sais pas quoi là. Oh, le 49-3. Ouais, elle a 49-3. Oh, putain. Ouais, du coup elle avait un bouclier, on pouvait rien faire, Roya, putain. C'était fini. Vas-y, Royal, j'ai un truc à te montrer, je suis à la villa. Viens. À la villa, vas-y, ouais. Vite fait. Je suis dans la maison, je t'attends dans la maison, d'accord? Les gars, je vais lui montrer ma nouvelle tenue illégale. Ah, vous êtes pas prêts, les mecs. Salam, cher Kufta. Combien sur 20? Chauffe les sandales. Chauffe sandales à Kidera. Putain, il m'appelle. René, je m'attends pas. Ouais, m'attends pas, je vais aller rafale des policiers. Pourquoi? Parce qu'il a dit, ouais, t'es une petite s**pe si tu vas pas voir la gouverneuse et tu rafales et tout, t'es pas un Marocain. Qui a dit ça? Oro, la R, Roya. Arrête, ils vont faire une rahab, parce que si tu me racontes là, ça va pas ou quoi? Roya. Non, il a dit, t'es pas vrai Marocain, c'est un fou lui. Je vais prendre une arme, vite fait, je vais au Capitole, je rafale et j'arrive, d'accord? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais Roya, mais t'es pas Marocain, Roya, t'es Américain. Ça y est, t'as eu la green card. Mais t'as eu la green card. Mais y'a rien du tout, ils ont truqué. Mais oui. Oui, mais t'es comme un Américain. Parce que je suis arabe. Je me suis fait braquer par l'UNCS alors que je pouvais être gouverneur. Mais... Roya, il n'y a pas de respect, en fait. Mais Roya, mais viens à la villa, on va discuter et après, fais ce que t'as envie de faire, ok? Vas-y, ça marche. Vas-y, à tout de suite. Il est malade, lui, quoi. Qui pose, c'est ça, non? Ouh là 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 là. Là, Roya, là, ça a de l'aura, là. Tu rentres, Roya, chez toi, il y a un mec, il est comme ça. Franchement, tu déménages, tu déménages pas. Je te jure, je déménage. Roya, je viens te chercher. En vélo. Mais je viens te chercher, envoie ta pause. Viens, Biniz. Biniz, j'arrive. Une, c'est galère, lui. Tla. Ça va encore, Roya, Enes. Hamdoul. Hein? La bête allez. Khaned, la bête allez. Ah, bah, il est en roue libre. Ah, bah, Hamdoulah, et toi, Roya? Ça dit quoi, mon pote? Roya, on est là, au calme, et toi? Eh, Roya, ma primo, ouais. Tu t'as appelé le Beniz pour la récupérer? Ah ouais, non, je sais pas, c'est Abigail, je sais pas, elle a fait quoi? Non, mais je veux encore payer 250$, Roya! Ah, ça fait chier, hein, t'as vu, c'est abusé. Et je veux dire à Brian de me payer. Hein. Ah, oh, mais t'as raison, Roya, c'est pas normal, Roya. Hamid, c'est un traître, c'est fini, hein, Roya Hamida. Pourquoi? Il est là depuis 20h30, il a même pas appelé, Roya. Jure? Il campe au Vangelico avec Sky toute la soirée. Vas-y, Roya, tu rentres dans 30 secondes. Non, dans une minute. Putain, je peux pas répondre là, je vais perdre mon charisme si je réponds. Bon, il rentre ou il rentre pas lui? Tiens, il a juste un truc à faire. On lui demande juste de rentrer, il rentre pas. Mais il est vraiment en train de compter les 2 minutes ou je rêve? C'est pas possible. Faut que je change de pote, voilà. Il m'a pas vu? Mais wesh, il m'a pas vu. Je sais pas, il est où, Roya? Il m'appelle, il me dit viens à la villa. Faut que je te montre un truc. Bah oui, moi aussi, j'ai pas. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alaikum, adrari. Alaikum salam. L'homme réunion illégale. Ah. Hey, wa. En vrai, charismatique ou pas? Ouais, l'avènement, on dirait vraiment que t'es un danger de fou. J'hésitais entre cette pose-là, tu vois, ou bien celle-là. Oh, non, celle-là, ça fait victime. Non. Ok. Non, l'autre, elle était celle-là, bien. Celle-là. Oh, celle-là, oh là là. Réunion illégale, goûte le comédrari. Roya, faut que tu te fasses une tenue, Roya. Mais moi, j'en ai une, Roya. Là, tu me reconnais pas, on est d'accord. On dirait les anciens, Roya, qui traînent au PMU. Ouais. Allo? Ça va ou quoi? Bah ça va et toi? Ouais ça va, je voulais juste savoir, juste pour étirer parce que je vois pas trop sur mon... Tu m'as payé combien pour l'évangélico? Je crois que je t'ai payé... Attends, laisse-moi vérifier. Je t'appelle en masqué là. Quoi? Je t'appelle en masqué. Comment ça, tu m'as... Pourquoi?
Bah, comme ça, t'inquiète, je suis un mec bresson, c'est pour ça. Je crois que il me semble que je t'ai payé genre 15 000. Ah 20 ouais 000. Pas plus, je crois. Plus, non. 20 000, non? C'est possible, 20 000. Ouais, tu gères. J'ai une offre, hein, pour au Sky Blue, mais j'ai refusé. J'ai dit non, je reste au Vangelico. C'est qui t'a proposé l'offre? C'est Oro. Ah, il veut voler mes... Non, c'est mes pas employés. Ça. Non, il m'a demandé de te dire ça pour qu'il arrive à mieux te gérer. Parce qu'en fait, il veut te gérer. Oro, il veut me gérer? Ouais. Oro, il veut clairement te gérer Sky. Tout à fait. Pourquoi il dit quoi? Il dit ouais, c'est mon dossier et tout. Je vais la mettre bien, 7ème ciel, des dingueries, hein. Ok. Je te jure. Et Kefta, tu l'as payé ou pas? Oui, j'ai payé tout le monde. Ah, tu l'as payé combien? Juste comme ça pour comparer. Je crois que j'ai payé 15 000. Alors qu'il n'y a rien foutu. Moi, tu... Vas-y. Je me suis fait braquer, Roya, qu'est-ce que tu me racontes? Moi aussi, je me suis fait braquer. Tu sérieux? Non, tu mens. Ça va, Sky? Mais... Oui, ça va, et toi? Hamid, il était là aujourd'hui, on est d'accord. Oui, mais il est encore là, il me spam d'appel. Ah, il te spam? Oui, là, il y a marqué appel manqué. Bloque son numéro, bloque-le. Pourquoi il vous appelle pas? Si. Là, il m'a appelé, mais parce que moi, je l'ai appelé, mais sinon, il l'aurait pas appelé. Bah là, encore, appel manqué, téléphone de Hamid. Oh là là. C'est un fou, il est fou, il est fou. Il est fou tout court. Est-ce qu'il était passé au parleur là? Non. T'es chaud, genre on l'enlève et après on lui fait avouer des trucs sur toi. Mais quel truc sur elle? Pourquoi tu veux faire ça? Mais parce que je te jure, il m'intrigue. J'ai envie de savoir s'il fait passer sa meuf avant ses potes. Oh, 18. Mais je suis pas sa meuf. Je suis pas sa meuf. Oh, regarde. Mais je ne suis pas sa meuf. C'est qui ta meuf? Enfin, c'est qui ton mec? C'est qui ton père? C'est Amir. C'est qui Amir? Amir, il est mort, on s'en fout, vas-y, un autre mec. Comment ça, il est mort, Ami? Mais n'importe quoi, il est pas mort. Il est en vacances. Oui, bah en vacances pour de bon. C'est comme ça qu'on dit quand on est mort. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. Bah, je te jure. Hein. Après, c'est ce que Oro m'a dit pour Jerry. Il m'a dit oui, de toute façon, Amir, il est mort. Donc là, je vais la gérer, je sais pas quoi. Ok. Bah, je vais l'appeler, je vais voir. Vas-y. Bah, tu dis pas que c'est moi parce que je t'appelle en masqué. Donc tu peux pas savoir que c'est moi. Hamid qui me dit, t'as des nouvelles de. Mais il se fout de ma gueule ou quoi? Hamid, t'as des nouvelles de Mouloud? Mais il a même pas des nouvelles de moi! Mais il se fout de la gueule du monde ou quoi, lui? Alors, lui, vraiment, je vais insulter sa grosse daronne, lui, tu vas voir. Alors là, lui, il est mort. Il est mort, c'est sûr. Allô? Salam, mon meilleur pote, ça va ou quoi? Alaykoum salam, ça va et toi, Khaled? Alhamdoulilah, Roya, je t'ai appelé par hasard pour juste savoir si ça allait bien, ça fait longtemps, c'est pour ça. Bah ouais, au moins toi, t'es le seul à m'appeler comparé à l'autre boulos. Ouais, non, mais vas-y, putain, c'est un chien de la cage, je te jure. Ah non, mais ça me dégoûte les gens comme ça. Il m'a appelé au début au port du travail. Maintenant qu'il a plus besoin de moi, il m'appelle plus, fils de... Je te jure, en plus là, il m'a dit, il m'a dit qu'il t'avait vu à la bijouterie, mais il a pas voulu t'appeler. Je te jure, il m'a dit, ouais, je l'ai vu avec Sky. En fait, Kefta, il veut gérer Sky. C'est pour ça qu'il est jaloux en fait quand il te voit avec elle et tout. Qui trouve une autre cible, hein, c'est mort. Bah ouais, c'est ce que je lui ai dit, je te jure. C'est mort. Donc c'est pour ça qu'il m'appelle plus? Ouais, Roya, il avait même pour projet, Roya, de t'enlever ce soir et te torturer pour te faire avouer des trucs sur Sky. Il est malade, je te jure, il est fou, allié. Roya, bloque son numéro, je te jure, il est fou. Roya, ça se passe comment avec Sky? Ça va, comme d'habitude. Hein. Et donc c'est ta meuf là, Roya, officiellement ou quoi? Parce qu'on t'organise un date, hein, si tu veux, Roya. Moi, je suis chaud. Pas besoin, c'est bon, ça y est, c'est bon. Ah, c'est dans la poche? Bon, j'ai pas besoin, bah oui. Ah ouais. Ah oui, mon pote, hein, non. Roya, on a une villa. On a une villa, on te la prête si tu veux. Ah non, ça appartient aussi à Kefta. Oui, mais Roya, mais. Ça m'intéresse plus. J'ai ma chambre. Ouais, mais non, j'en veux. Mais viens, juste la piscine. Je te prête mon transat à moi. Non, ça appartient à Kefta, j'en veux pas. Bah vas-y, le Sky Blue, je travaille au Sky Blue, je t'invite au Sky Blue, tu fumes une chicha avec elle. Y'a la chicha. Ça me va. Voilà, on y est bon. Sky Blue, Roya, tu me dis quand tu veux, tu passes. On t'ouvre les portes. Vas-y. Carré VIP. C'est bon. Vas-y, Roya, tu gères. Ça me va. Allez, vas-y, Roya, tu me gères. Vas-y, Roya, salut. Vous êtes qui, vous? Vas-y, bisous. Vous êtes qui, vous? Ah, c'est Taï, ça non, va? Non, c'est Taï et Kraken. Ah, ouais, c'est vrai. Ça va. Vous, évidemment, vous savez pas qui. Ne leur dis pas qui je suis, d'accord? Ne leur dis surtout pas. Laisse-moi deviner. Ne leur dis surtout pas qui je suis. Vous êtes sous mon contrôle, Adrari. C'est ma tenue super illégale. Tenue super illégale. Mais quoi? Mais à quel moment? Il est où, Kefta? Kefta, je sais pas, il est parti, il a dit vas-y, direction le Capitole. Non, je crois qu'il va faire la singerie de... Non. T'es où, Kefta? Roya, je suis au Vangelico, il y a une meuf, elle m'a dit, ouais, j'ai besoin de vous et tout. Roya, Hamid, il a une dent contre toi. Hein. Bah, je sais pas pourquoi, mais... La dernière fois qu'on s'est vu, on a récolté voilà les feuilles, mais... Non, il m'a dit, ouais, je lui dis, viens à la villa, il me dit, non, vu qu'il y a Kefta, je te jure, je viens pas et tout. Viens à la piscine, voilà que je viens pas. Je te jure. C'est une dinguerie. Tu sais pourquoi? À mon avis, il pense que tu veux gérer Sky. Et du coup, il est vachement protecteur envers elle. Ah oui, sérieux? Bah pour la peine, je vais la gérer pour de vrai. Voilà. Voilà. Non mais la reine a rien à voir là-dedans. Oui, mais c'est pas grave, c'est à cause d'elle que notre amitié est finie.
Vas-y, vas-y, t'as raison. Parce que c'est après Sky, et ben... T'es au Rongilico, là, t'es au Rongilico? Oui, là, je vais au Rongilico, là, j'attends Valentina. C'est la femme de ma vie, je crois, Hayat, c'est fini. Mais c'est une cliente? Oui, c'est une cliente. Vas-y, j'arrive, je vais prendre mon service aussi, vas-y. Vas-y. Non, non, mais non. Mais non, mais non, mais juste pour faire une annonce, un truc comme ça, pour répondre vas-y. Au téléphone, vas-y. Vas-y. Eh les mecs, je viens de croiser un mec habillé en épouvantail, c'est une dinguerie. Vas-y, j'y vais. Ouais, franchement. Ah, il y a une voiture dans le truc là. Je sais pas, je crois que putain, il est parti avec la dernière. Hein. Mais il m'a même pas attendu, ce chien, non, c'est un délire. Il est parti avec la mienne, frère. Putain, la grise. J'aurais là. Dû la fermer. Non, la Golf. Ah ouais, vas-y, monte. Monte, t'inquiète. Est, t'inquiète. Attends, parce que j'ai mon téléphone dans les mains. Ah. Ok, bonne soirée. Mais Skin, il va encore courir. Je l'aime trop voir. Un remake. Bah, cours, Roya, cours. Toi aussi, t'abuses. Non, Orange, s'il te plaît. Si la vie, j'arrête. Fred, Orange, s'il te plaît, par pitié. Il a du souffle, il court, il crie en même temps. Oh là, machallah. Vas-y, mais laisse-le, Skin, laisse-le. Vas-y, t'la, Roya, t'la. Chasmatique, je te jure, chasmatique. Vas-y, allez, monte. Vas-y, monte. Mais ça y est, Choro, t'as quel âge, laisse-le monter. Oh non, il y a un braquage. Oh vas-y. Oh non, je voulais participer, moi. Oh non. Quoi, on y va? Ouais, go. Vas-y. On a une shafter blindée sur la madame, après. On y va. Kefta, t'es où? Kefta. Oh, Kefta, ça va? Mais qu'est-ce que tu fais? Ah bah, je sais plus. Vous jouez à quoi, les mecs? Mais j'en ai plein d'étages. Par qui? Là, il y a la prime, normalement, il y a la prime. Oui, c'est normal. Ouais. Faut gratter la prime. Ça s'est passé mal, tout le bordel. Arrête, j'ai peur, Roya, tu vois pas que j'ai peur, Roya? Putain, 43% mon loot Kefta. Oh là là, les gars. Je suis vraiment dégoûté pour toi. Depuis hier, c'est 43%. Oh là là, j'ai vu le fameux crack. Tu es assis ou Kefta? Il passe de gouverneur à otage. Et du coup, monsieur le preneur d'otage, vous êtes qui, s'il vous plaît? Nous, c'est la TCF. Ça veut dire quoi? Ah bah super. Ça veut dire quoi, la TCF? Ouais, voilà, on est un petit groupe de potes. Trou du cul familé. Et crack. Oh les gars, il ouais, y a je sais pas combien de voitures de flics. Hein. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, on va sortir calmement dans le calme, tout le monde. Vous allez calmement vous présenter aux flics. Oh le bordel. Oh il est massif hein. Oh on dirait une manifestation là, c'est pas une prise d'otage. C'est vrai, le nombre d'otages, mais c'est énorme. C'est une singerie d'otages. Carrément, je sais même pas quoi demander, je crois que ça va demander de l'oseille à la fin. On est plus nombreux que certains gangs. Là, non, moi je veux une striptease. Je vais demander un sous-marin, croyant en vérité là, avec 12 otages. Oh, un cargo bob. Kefta, viens t'asseoir à côté de moi, croyant. Mais comment t'es assis toi? Mais laisse-moi vivre ma vie d'otage, merde! C'est normal, c'est une dingue! Je peux vivre ma vie d'otage ou pas? Putain, vous prenez ma dignité, laissez mon cul tranquille, merde! Waouh, ouais, en plus. Putain, il recrute, hein! Nice. La police, t'as vu? En vrai, tu voulais devenir gouverneur, deviens capitaine, croyant! Ouais, tu es. Oh là là, les bordels! Capitaine de police, croyant! Ouais, capitaine! Ouais, capitaine, qu'est-ce que t'as au mal, hein? Ouais, il est gay! Oh là là! 43%! Putain! Depuis ce matin, croyant! Le suspense est à son comble! Les votes, c'est fini! Il y a encore des gens qui votent! C'est comble! Putain, Abigail Waldorf, je sais quoi ça? C'est pas une meuf d'un flic en plus? Si, c'est la meuf de Brian! Ouais, en plus, elle a tombé dans cette télé. Alors là, le combo. Le Congo? Le combo. Et les flics, ils ont demandé les chaussures de tout le monde pour partir. Quoi? Comment ça, les attends, c'est des fétichistes ou quoi hein? Je sais pas, frère, ils croient qu'on est un steakhouse, nous. Attends, mais okay. Comment ça, les chaussures de tout le monde, pourquoi faire? Je sais pas. Ah, c'est pour l'ADN. Donnez pas, les mecs, c'est pour l'ADN. Je pense qu'ils vont les revendre sur Vinted, à mon avis. Si j'enlève les gros, je vais tuer tout le monde ici. J'ai des petits champignons entre les pieds, c'est dégueulasse. Moi, je vous conseille pas. Oh, ouais, je fais une pizza, tes pieds ou c'est quoi ça là? Je vous conseille pas. Je peux sortir pour. Ouh là là là, ça rafale. Attends, sors. Eh, moi, je reste au fond, moi. Vide ma mère, je vous plante les trois. Attends, mais si je ne vous plante pas, c'est bon, je suis ta mère. Arrête. Parce qu'il m'a tapé là, tu fais rien, salope. Ouais. Tiens, pourquoi vous êtes toujours aussi vulgaire? C'est des branleurs. Amino, s'il est énervé, ça se voit, il parle pas et tout. Ça va? Putain? Il me faudrait deux personnes qui veulent sortir là. Masqui. Vas-y, viens, on se casse. Vas-y. On se paraît direct. On attend, vous nous fouillez ou pas? Non, pas le pan.
Un pack plus patient, ouais. Eh, les braqueurs, ils sont éclatés de fou. Ah ouais. Ah, vous allez les attraper en, allez, en 5 secondes, je te jure. J'en prends un avec moi, s'il vous plaît. Ouais, monsieur, il me faudrait votre carte d'identité, s'il vous plaît. Allez-y, pas de bavure, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. Je suis connu. Bah, je vous avais dit votre nom devant la bijouterie. Vous avez un gilet gaulle dans le. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, vous avez bonne mémoire. Ok, j'ai passé une peu passion. Allez-y, je vous en supplie. Carrément, je vous supplie. Je vous en supplie, palpez-moi, por favor. J'étais faire une déposition ou. Non, j'ai déjà assez perdu de temps comme ça en vrai. Ok. Ouais, bon, ils vous ont pas blessé, ils vous ont pas fait si, du si, mal. Si, ils m'ont blessé les oreilles, ils savent pas parler, ils sont éclatés de fou, vraiment. Ah, d'accord. Vous n'en ferez qu'une bouchée, mesdames et messieurs. Et bah, merci à vous en tout cas. Bah, je vous en supplie, passez une bonne soirée, faites attention bonne à vous. Bonne soirée. Allez, Roya, tu veux qu'on aille faire le truc scooter fight, je sais pas quoi là, c'est où Roya, je vais aller c'est bon, ils montent tous kill ce soir. Mais non, pourquoi? Ouais, un braquage à 12 personnes qui dure 40 minutes, faut arrêter au bout d'un moment. Ouais, ça y est, on passe à autre chose, t'en bats les couilles. C'est bon, Roya. C'est bon. On s'en bat les couilles. Viens, on essaie de choper Hamid. Comment tu fais pour être aussi calme, Roya? Ça se voit, t'es un vieux. Mais en fait, moi je relativise, Roya. Il y a des choses plus graves dans la vie, tu vois. Ouais, mais Roya, mais toi. Ah, je te jure, moi je. Ah, 40 minutes, ouais, j'ai une dingue. Ouais, tranquille, Roya, tranquille, c'est pas grave. J'aimerais trop être comme toi. Non, mais moi je suis un faux calme. Je suis calme, mais un jour il y a tout le monde qui paye l'addition. Même ceux qui ont rien fait. Putain, appelle Bren. Viens, on lui prend la tête par rapport à sa meuf et tout. Non, Roya, c'est bon. Les H24, ils envoient des pics. Même le flic est là, ils envoient des pics. Ah, bah, ils ont dit quoi? J'ai pas entendu. Ils ont dit quoi? T'as pas entendu ou pas? Non. Ah, les mecs qui apparaissent ici, même les mecs qui ont braqué. Ah, putain, on a pas voté pour toi, va te faire enculer. Eh, nanani. Mais ça, c'est pas grave. Vrai. Mais Roya, écoute. Non, Roya, écoute, je t'ai planté. Mais écoute-moi, Roya, arrête de faire des bises, regarde. Demain, Oro, il m'a dit il y a une réunion illégale. Parce que Oro, maintenant, c'est la tête du réseau, Roya, à Los Santos. Il a pris la place de Lincoln. Demain, on fait une réunion illégale avec tous les groupes. Et si t'as envie d'en baiser un, t'en baiseras un. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu les baises en beauté. Tu les envoies sur des missions suicidaires, Roya. Il y a des grosses missions, là, Roya, qui arrivent. Des trucs de fou, Oro, il m'a dit. Mais sois intelligent, un peu, putain. Là, on n'est plus Kefta et Khanes d'il y a 5-6 ans, Roya. On a Blue Pop. Ouais, mais est-ce que je devrais pas prendre une petite pause, là? Une petite pause des quoi? Une pause, quand tranquille. Non, je pense que dans ta vie, il se passe des trucs. Le café au chocolat, il était pas bon. Le café ah ouais, il était pas bon. C'est possible. En plus, j'ai acheté une nouvelle table, Roya, à cause de toi. Mais ouais, grâce à moi, non? Mais viens, on trouve des mecs, on leur vend de la weed et tout. Vas-y, ouais, y a qui, Roya? Je sais pas, Murphy, il voulait pas un truc, je sais pas moi. Murphy, c'est bon, on l'a déjà vendu les grimes. Vas-y, on peut vendre à qui alors? Appelle Euro. Non, mais vas-y, j'appelle Brett. Vas-y. Il me doit 20 000, tu sais, il me doit 20 000. Bah vas-y, viens, le cas par rapport à ça, et on lui dit qu'il arrête de. Qu'il dise aux flics, qu'il passe le mot au capital, qu'il arrête de nous casser les couilles par rapport au fait que t'es perdu. Sinon, on va faire un attentat, quoi. Je te jure, on va faire un attentat. Vas-y, le blackout, vas-y. C'est nous. Vas-y. Ah, il a dit, Kefta, tu peux me rappeler dans 2 minutes? Vas-y. Et il était en train de mourir. Mais ouais, c'est bizarre. J'entends bien. Eh, je crois, Roya, j'ai une autre meuf. Quoi? C'est qui? C'est Valentina. Vas-y, appelle. Smash. Je vais faire le mec dépressé. Mais oui, c'est ça qu'il faut. Ouais, salut Valentina, ça va? Ça va et toi? Non, ça va pas, je te jure, je n'ai marre. Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, je viens de me faire braquer, là, je suis au bord de la surprise. Oh là, c'est quoi ça? Ouais, je, là, c'est une musique que j'écoute, là, dans la radio. Ça fait mal à la tête, hein? Ouais, c'est Econ, hein, il chante comme ça. Ah, il fait mal la tête. Ouais, je suis au bord de la surprise et tout, et vas-y. Ouais. Et là, ouais, je vends Angelico, ils sont encore fait braquer, on en a marre, je te jure. Ça, c'est pas fini là? Ouais, c'est pas fini, ils viennent de me libérer, mais dedans, il y avait encore du monde là. Ouais, ils abusent, sérieux. T'as dit quoi? Ils abusent. Ouais, j'en peux plus. Tu fais quoi toi là? Bah, j'attendais d'acheter mes bijoux. Ouais, vas-y. Quand ça finit, on se rappelle. Vas-y, sinon, bah, je suis béni si vous avez besoin. T'es au Venise? Vas-y, ça marche. Non, mais vas-y. C'est bon. Des bisous. Vas-y. Wouah. Mais faut fêter ça. Mais jamais de la vie. Elle lui a dit bisous, monsieur. Vous vous rendez compte? Putain de merde! Mais tu travailles au Bénis, toi? Oui, mais c'est toi, qui j'ai dit qu'on va brûler le Bénis parce que. Ah non, c'est bon, t'as voté Kefta, toi, c'est bon. Roya, il a voté Kefta, lui, on brûle pas le Bénis, c'est bon. Tu peux y aller, Roya, vas-y. Ouais. J'espère que vous brûlez pas le Bénis. Non, garde-la. On verra, je réfléchis. J'ai mis des caméras partout, si tu viens cramer le Bénis, je te crame, c'est bon. Mais je vais cramer les caméras, après je vais cramer le Bénis, t'es deux cons, va.
Putain de merde. Mais t'es content ou quoi? Oh, t'es dans la merde. Oh, t'es. Il les aaf en plus ce soir. T'es dans la merde. Non, mais. La vie de ma couteau dans ta gorge, non. Fils de. Descends là. Descends là. Descends là. Couteau dans ta gorge. Quoi? T'as voté pour la blonde. Non, la blonde, fils de. Non, le bébé, quoi? Il avait voté pour toi, croyez lui. Non, le mec. Croyez, mais. Il avait voté pour toi. Quoi? Mais Kafkar! Non, il avait. T'as voté pour elle! Non, il avait voté pour toi, lui! Ah, t'as vu Denis Barre, t'as voté pour elle! T'as vu Denis Barre, t'as voté pour elle, fils de. Et il a voté Nibar! Et il a voté Nibar! Et il a voté! Il a voté Nibar! J'ai perdu les rimes à zéro! C'est bon! Stop! Monte! C'est faux quoi, monte! Roya, il a voté pour la. Mais non, il avait voté pour toi, lui! Excuse-moi! Bah vas-y, Roya, va t'excuser. C'est un menteur, t'as dit Benny, ils ont voté pour l'autre. C'est, oui, c'est, tous ses collègues ont voté pour le truc, mais ça se trouve, en vérité, ça se trouve, c'est un menteur. Mais il a menti, il a voté pour elle. Ouais, on s'excuse pas. Attends, Roya, j'ai oublié de faire un truc, viens. Attends, recule, oui. Non, mais Skin, c'est pas bien, viens, recule. Oh, génial, mon. Fils de. Il a vu Denis Barre, il a voté pour elle. Putain, voilà, j'espère que c'est pas un balas ou un family. Viens, on va voir les mains. Eh, je l'y baise. Et moi, j'ai fou la tête, hein? Là, j'ai. Ouais, ça va, Alert, tu vas bien? Ça va et toi? Vas-y, ça va, donne un point de rendez-vous, je suis avec Renez là. Vas-y, ça marche, je suis par la coachée, je t'envoie ça tout de suite. Vas-y. T'es tout seul ou t'es avec tes potes? Je suis avec des potes, mais vas-y, après, si tu veux, je peux venir avec une personne. Non, justement, bah, viens avec du monde, comme ça on voit un peu vous êtes qui, on vous connaît pas. C'est qui les mecs là? Madrazo. Ah non, les Madrazo! Je lui dis pause, je crois. Ouais, ouais, oh, douche gratuite, Royan! Douche gratuite! Oh, le hammam! Ah! C'est gratuit, Royan, c'est gratuit! Ça veut dire, les mecs, je l'ai planté pour une, Mesken. Voilà, franchement, ouais. Mesken. C'est pas grave, après, tu t'es excusé en vrai, ça va. Ouais, ça va. T'as contre Kefta. Viens, on va voir ta meuf au Bénise. Oh, ah ouais, merde! Parce que lui, c'est son collègue, hein! Je n'ai rien à foutre, je les baise. Elle, lui, la meuf. Après, non mais elle, oui, tu peux, mais le. Mais elle travaille pour Bénise. Hein. Mais c'est ça le truc. Ça veut dire que lui, si jamais il te reconnaît, je pense qu'il t'a clairement reconnu en tant que gouverneur. Faut que tu trouves une parade pour te dédouaner auprès d'elle. Parce que si jamais elle sait que t'es un vandale. Non, t'inquiète, regarde. Non, regarde, t'inquiète. Regarde, un professionnel. Vas-y. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vous laisse. C'est Valentina. Oh Valentina, ça va? Je vous laisse mon véhicule. Ouais, mais putain, c'est qui a la voiture de merde là? C'est grave. C'est vraiment chiant les gens qui se garent ici. Ils cassent les couilles, hein. Franchement, ils cassent les couilles. C'est bon, pète les couilles là. C'est bon, je la fais en fourrière là, un truc là. Vas-y, foule en fourrière, vas-y, foule en fourrière. Foule en fourrière, vraiment des fils des p ceux qui font ça. Putain. Bah voilà, enfin, c'est réglé. C'est affolant ça. Heureusement qu'il y a la fourrière. Eh, regarde. Y'a Liam là-bas, le... c'est Liam non? Il est venu en vélo, Mskin. C'est Liam. Ça va ou quoi, beau gosse? Tu vas bien, Liam? Ça va pas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ma voiture là. C'est la. Quelle voiture? Y'a pas de voiture. Elle s'est fait embarquer. Ah, c'était ta voiture? Mais t'abuses à faire le fils des p. T'as bloqué les flics dans le Bénise, Roya. Mais réveille-toi un peu là. Pourquoi tu te gares ici, Roya? C'est pas moi qui avale la voiture. Bah, c'est qui alors? Roya, c'est ta voiture, non? Ouais, c'était à lui. Ah, bah, monsieur, il va prendre la montre du coup. C'était pas à moi. C'est pas à vous? Non. Si, Liam. Bah, il vient de le dire. Vous avez vu la plaque? Liam Summer, c'est la plaque. Ah, pas non, c'est vraiment pas moi. Je vais y aller, pas de chance. Ah, ouais, toi, tu fais du zèle quand même pour une plaque. Mais c'est bon, Roya. En emblessant. Ça change pas. En emblessant, Roya, t'inquiète, en emblessant. J'ai plus que 500 sur mon compte bancaire. Mais c'est bien 500, c'est 500 de plus qu'un clochard, Roya. C'est vrai. J'ai croisé un clochard, il était à moins 10 000. Mais comment tu fais? Je t'avais donné 15 000. Comment ça fait? Ils sont les 500? Bah, ça, c'est la voiture. Non, déjà, tu m'as donné 10 000. Je te fais un don. Vas-y. $1. Donation goal. Aidez Liam. Vas-y, donation goal, vas-y. 0, j'ai donné que 10. Oh non, mais tu peux redonner, tu peux le faire en plusieurs fois. Non, mais après, il paye des frais, il a des frais et tout, c'est compliqué. Ouais, après, il y a des frais. Non. Il est limité à un virement pas toutes les 24 heures. Après, tu peux faire 10 par 10, moi ça me bosse. Mais non, c'est un virement toutes les 24 heures. Là, je peux pas donner plus. Là, ça bonsoir. Salut. Ça va, Kefta, ça va. Yo, ça va encore. C'est qui? C'est double face. C'est moi, c'est Murphy. Ah, c'est Murphy, je t'ai pas reconnu, Roya. Oui, j'ai changé, hein. Ça va? T'as vu, il est devenu moche, le pauvre. Mais t'es devenu un mec super chaud, apparemment. Sans mauvais jeu de mots. Ouais, je suis un brigandé de la cahier. C'est bien, Roya, félicitations. T'es un mec de la cahier? Merci, ouais, je suis un brigandé de la cahier. T'as l'arrière et tout, fais pas de retour. Ouais, regarde la classe.
Ouais, c'est un sac. Ouais. C'est un sac. Mais non, les lunettes, les lunettes. Ah, ouais. Les lunettes, j'ai pas vu les lunettes. Ça fait les lunettes des gangsters. Genre, Zama, t'as les yeux dans le dos, Zama, personne parle dans ton dos, c'est ça? Voilà, c'est ouais, ça, c'est ça qui fait la différence. Mais regarde, investi dans un extincteur, c'est mieux que des lunettes. On sait jamais. Mais pourquoi tu cherches, chef? Mais je cherche pas, Roya, c'est un conseil. Bah oui, c'est histoire d'eux. Oui, oui, un conseil, un conseil. Partout. Ça me saoule. Mais parce que... Salut, parce Valentina. Oui, c'est moi. C'est pour sortir deux voitures, s'il te plaît. Oui, ça va et vous? Ça va, merci. Allez, venez. Fais-lui une scène, pourquoi tu répondais pas? Je t'appelais à 5 minutes, t'étais avec un mec et tout ça. Fais-lui une scène de coup pour voir comment il va réagir. Vas-y, vas-y. On va pouvoir y aller ou pas, la bijouterie? Oui, bah oui, bah bien sûr. Valentina, je peux te poser une question? Tu sais que ça fait quand même... Bientôt 4 jours là que j'attends. Oui. Oui, attends, je suis en train de parler. Valentine, genre, vraie question. Oui, oui. T'as oui. un mec? Non. Parce que j'ai essayé de t'appeler et tout et j'ai l'impression que tu me trompes. Ah non. Bah non, je t'ai dit, j'ai dû me rafraîchir le visage. Ah ok, ok. C'est pas genre t'es parti voir un autre mec. Parce qu'à un moment j'ai appelé. Ouais. Et genre, t'as pas répondu. Moi je me suis dit, c'est sûr, elle est avec un autre mec, elle me trompe et tout. Ouais, il tremblait. Non. Il était en tremblote parce que non. Ah ouais, donc il n'y a rien, on est d'accord. Hein, ah non, j'ai pas d'homme dans ma vie. Ah, ça va. Alhamdoulilah. Si, pas de femme, pas de femme non plus, pas de femme. Ah non, pas de femme non plus. Oh, okay. Pas de rhinocéros, on en demande. Non, demander. Non plus, rien du tout. Pas de vélociraptor, pas de lavabo, pas de. Non, rien du tout. Ok, ok, ça va. Titan colossal, rien du tout. Ah non, rien. Ah, ça va. C'est bon, on peut continuer alors. C'est bon, on peut continuer la discussion. Oui. Bah oui, un jour peut-être. Kefta. Après, pas tout de suite parce que j'ai déjà été mariée et moi, mon mari. Oh, ça va, c'est pas. Kefta ? Oui ? Lui, là. Tu veux sortir le véhicule, Valentina ? Sors son véhicule. Vas-y, viens. Mais Skid, il a fait un malaise. Il a fait un malaise. Vite. Mais il est tombé, le pourtant. Roya ! Vous pouvez vous rapprocher, s'il vous plaît ? Oui. Monsieur, ça va ? J'ai trop pris des coups de couteau, mais vite de mon sang. Putain, appelle l'ambulance, Liam, appelle l'ambulance. Ça va? Appelle l'ambulance, non, il a pris des coups de couteau, Oh là là, Kefta, il a pris des coups de couteau, monsieur. Sauve-le, Kefta, sauve-le, Kefta. Ouais, j'arrive. Appelle l'ambulance, Kefta, sauve-le. Oh là là, attends, d'abord, je la paye. Attends, Valentina avant, regarde. 1, 2, 3, 4. Eh, fais-lui un pied à bouche, reculez, fais-lui un pied à bouche. Ah, mais c'est HR. Oui, il est gentil. Ouais, il est gentil. Il a voté pour qui? Je sais pas. Parce qu'il paraît, il s'est pris des coups de couteau. Ouais, il y a un mec qui lui a mis des coups de couteau, ce bâtard. Mais non. HR. Il faut l'emmener à l'hôpital, du coup. T'aimes bien les mecs qui mettent des coups de couteau ou pas, toi, Valentina? Bah, ça dépend, c'est pour se défendre, oui. Ouais, c'était clairement pour se défendre. C'était de la défense. Bah oui. HR, 1, 2, 3. Bon, on va appeler l'hôpital. Kefta, je pense que t'as fait vraiment ton maximum, croyant. J'ai fait mon maximum. J'ai fait mon maximum. C'est pas drôle, oh. Attends, y'a quelqu'un qui meurt là. Non, c'est pas trop désolé. Bah oui, c'est pas bien, Valentina. Non, c'est pas bien, pardon. Mais on est d'accord que les mecs qui donnent des coups de couteau, t'aimes bien quoi. Bah, ça fait c'est pour se défendre, oui. Ouais, 100%, 100%, ça se voit. D'accord, oui, bah oui. Ça se voit, vu la taille des plaies, ça se voit, c'est de la défense. Ouais. Là, c'était clair. Bah, j'espère qu'il y a des médecins parce que. Ah oui. Mais vas-y, de toute façon, quoi. Khanez, y a des gens qui nous attendent. On va la bijou. Ah, vas-y. Ah, non. Ah non, Valentina, j'ai juste un rendez-vous grave important. Et t'as vu, je t'ai assuré le coup. J'ai fait une scène de ménage, elle a rien dit. T'as mais vu, t'as vu, mais je t'ai assuré le coup, Roya. T'as sauvé le mec, Zama et tout. Incroyable. Attends, je peux faire le mec gênant vite fait ou pas? Non, ça y est, non, ne force pas, Roya. Force pas, ça y est. Wesh, tu veux tout niquer ou quoi? Franchement, on fait deux. Avec Kefta, on fait un pas en avant, 6 pas en arrière. Là, je voulais l'appeler instantanément et me dire peut-être tu mens. Oh non. Des fois, t'as marqué des points avec le coup de couteau déjà, avec le bouche à bouche. Je pense qu'elle a fait le coup de couteau. Et surtout le. Elle a mis les bad boys. Voilà, surtout avec les. Je suis occupé là, j'ai des rendez-vous, ça, et kiffe ça. Voyage, j'ai demandé de sortir celle-là. Vincent, elle m'a sorti ça. Ah, elle est conne. Bah, après, tu vas bien t'entendre avec elle. Hein. Vérité. On ira bien ensemble. Ouais. Ah, des bébés, des mini Kefta. Des Keftanina. Ça doit être incroyable. Un mélange de Valentino de Keftanina. Ça doit être incroyable, des petites boulettes de Kefta. Keftanina, ça va? Ok, là, Liam Costard. Costard noir, Liam. Il a $500 en... Ah ouais, putain, Bruce Wayne, hein. Voilà, Bruce Wayne. Tu parles à Liam, hein. Il s'est costardisé d'un coup, là. Ouais. Ils vont voir avec notre voiture, ils vont dire de la gueule de qui. C'est les Madrazo là, regarde pas n'importe. Mais pourquoi on doit... C'est par rapport à quoi le rendez-vous? Là, comme ça, pour le but. Ah, pour le but, ok. Ah ouais. Bonsoir. Ça va, j'ai l'air. Putain, ça fait plaisir de te voir. Bonsoir, messieurs. Salut, la famille. Ah, bonsoir, messieurs. Vous êtes en équipe. C'est bien. Je ça va quoi, les mecs? Je kiffe le chapeau, c'est un délire. C'est une dinguerie. Bon, les gars, c'est comment? Ça fait du bise ou pas?
Ouais, là, c'est clairement l'heure du business, Roya. Parlons business un petit peu, Kefta. Ouais, voilà, voilà. Parlons business, parlons business. Roya, nous, on cherche à se faire de la plata. Je vous mens pas. En ce moment, on est sur la vente de la weed. Mais on va dire qu'il y a des business qui se sont... Fructifiés, libérés. Sous peu, on aura d'autres business un peu plus intéressants. Ah, comme... On peut pas te dire. Non, on peut pas te dire. Je pense que vous en saurez plus dans les prochains jours. Dans les demain à venir. Dans les demain à venir. Ok, ok. Pourquoi tu balances, Roya, comme ça, non? Comme ça, vraiment, il a mal dos et tout. Il est vas-y. Voilà, de l'île demain à venir. Et vous, les gars? Nous, on est sur la coca, mon ami. La cocaïne? Vous êtes sur, la coca? Vous n'êtes pas sur les armes, mon hajjam? Si, on peut en avoir. Ah, vous pouvez en avoir, on va voir quoi? Gilet! Ah, ça m'intéresse de ouf, ça, par contre. Munitions, si tu veux aussi. Munitions, ok. Ah ouais? Ok. Et la coca, ça se vend mieux que la weed au niveau des tarifs? Bien sûr. Ouais, ça rend addict de fou, ça, de ce que j'ai entendu. Hein. Macro, surtout la nôtre. C'est vrai? Elle s'appelle comment, la vôtre? C'est la spéciale Mexico, amigo. Aïe. Ça, j'aime bien. Nous, la weed, c'est celle des Marocains. C'est du Maroc. Okay. C'est de la bonne. Hein. On vient des Marocains, c'est pour ça. Je sais même pas pourquoi on a rendez-vous avec eux. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Elisabeth, tu voulais payer combien? Genre un petit Tech9 ou la Haja, tu vois. Tech9, c'est dans les 120 000, un truc comme ça. 130, Tech9. Ça va. Je pensais que c'était beaucoup plus cher. On n'a pas l'argent. Et vous connaissez un peu le Nord ou pas du tout? C'est-à-dire? Parce qu'on a envie d'extrapoler notre business un peu, tu vois. Et le problème, c'est que dans le sud, voilà quoi, c'est des petits rigolos un peu, tu vois. Non, mais on a l'impression que dans le sud, c'est un peu saturé, si vous voyez ce que je veux dire, et voilà, on aimerait bien s'exporter dans le nord. Il y a plus de places, il y a une nouvelle clientèle, je pense, là-bas qui peut s'offrir à vous comme à nous, quoi. Est-ce que vous avez déjà un pied dans le nord? C'est la question, en fait. Ouais. Est-ce que vous avez une zone bien précise? Un peu partout? Ouais. Non, on a juste de l'influence dans le nord. Ouais, je vois. Au fait, je m'appelle Mathieu Khanez, au fait, désolé, je me suis pas présenté, je crois. Pas de problème, t'inquiète, pas de problème. Mathieu Khanez. Du coup, c'est quoi vos objectifs dans le nord? Oh, on va pas te mentir, hein, nous, c'est devenir les rois de la ville, hein. Voilà, tout simplement. Là, on annonce la couleur directe. On veut marcher sur aucune plate-bande. Mais je pense que chacun a droit à son jardin secret, si vous voyez ce que je veux dire. L'herbe, elle est pas plus verte à droite ou à gauche. Il suffit d'abord un bon jardin et il faut bien le cultiver. On est d'accord, messieurs, ou pas? Ouais. Voilà. Nous, c'est devenir les rois de la ville, tout simplement. Et vous, c'est quoi votre objectif? Je crois qu'on a le même objectif. Mais non! Vous avez la main verte! Ça tombe bien. Bah, ça fait grave plaisir. Ouais, j'imagine. La main blanche. Ouais, bah oui. Bah oui. La mano. Comment? Blanca? La mano. Si, la mano blanca. La mano blanca. Vous avez des concurrences, maman, en ville, qui vous cassent les couilles, ou le haja, il y a quelque chose qui va pas de votre côté? Peut-être qu'on peut s'en charger. Peut-être, on sait pas. Nous, on est. Vous avez la main blanche, nous, on a la main longue, si vous voyez ce que je veux dire, on a les bras longs. On a le bras même très long. Très long, Roya, je peux me gratter sans me baisser, Roya. Ouais, on a vite fait des petites histoires par ces points. Ok. Si jamais vous voulez, on peut s'en charger, c'est nous. C'est rien de grave, quoi. C'est pas... Et vous voulez, on peut s'en charger, nous, attention. On va avec le temps pour voir si on peut bosser avec vous, si vous êtes efficace. Ok, bien sûr. Je pense que c'est réciproque, hein. Je pense que là, on a fait l'implantation. Voilà, c'est bien de poser un visage sur les noms, plutôt que de se parler au téléphone. C'est mieux, non? Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Bon, bah voilà. Bah, c'est parfait, hein. Je pense que Liam, il avait un message super important à faire passer. Liam, vas-y, je t'en prie. J'ai zéro message à faire passer. Ok, nickel, merci beaucoup, Roya. Bah voilà. Liam va te faire vraiment. Quoi, il bosse avec vous? Ouais. Ce mec là, on l'appelle El Diablo del Labo. Le diable du labo. Ouais, c'est El Diablo del Labo. C'est un malade. Il fait tourner les labos plus vite que son oncle. C'est les chimistes de la bande. Il peut te faire 8000 de weed en moins d'une heure, Royal. C'est une dinguerie. Tu travailles ou quoi? On peut louer, hein. On peut vous louer si vous voulez pour faire tourner les labos. Je sais pas, en vérité, on n'a pas trop discuté. Faut que je vois un petit peu son état, son CV, son kilométrage, parce qu'il y en a des kilomètres. Là, avec caution ou sans caution? Non, sans caution, t'as vu la gueule? C'est bien. Ah, non. Ouais, c'est bien. Non. Mais ouais, celui-là, par contre, pour faire tourner des labos, il est efficace de fou. Ah, Walter White à côté de lui, regarde, c'est vraiment un petit. Ah ouais, el mejor de los mejores, le meilleur des meilleurs. Vous avez un jefe parmi vous ou bien vous avez tous le même statut? Droit, toi, seigneur. Monsieur ici là? Chapeau. Oh, enchanté. T'as mon petit frère à côté aussi. Vas-y les mecs, on vous retient pas plus les gars, que ça. Ça marche. Oui, les gars. C'est partagé. Si vous connaissez des petites personnes pour l'instant, là pendant quelques jours, qui veulent de la weed et tout, on en a. Ok? T'en as beaucoup? Personne. Ouais, on en a. Ça dépend, vous en voulez combien en si rapide? Non, c'est pas pour nous, c'est pour te mettre. Ouais, voilà, t'inquiète. Ok? Je vais mettre en relation avec des gens. Vas-y, ça marche.
Vas-y les gars, faites attention à vous. Vas-y les gars. Je vous dis à demain du coup. Ouais. À mañana. Allez les gars. Bonne soirée les gars. Salut. Salut les gars. Angela Buenas. Pendero. Il a dit Pendero. Ouais, il a dit Pendero. Mais c'est une insulte ça. Mais pourquoi il nous a insulté? J'en sais rien, il a dit Pendero, pourquoi? Il a dit Pendero. Bah allez, c'est bon, on va les fumer. Il faut les tuer vraiment là. Par contre, pour la weed, on va rester. Ouais, en gros, ça va quoi? Ouais, vous êtes où là? On était en rendez-vous avec les Madrazo. Les Madrazo? Ouais, les Madrazo, ouais. C'est des mecs qui font de la coke et tout. Ouais, je vais les voir demain. Ah ouais? Ah, pour la réunion? Ouais, je dois faire une réunion. Mais écoute, tout s'est bien passé. On leur a dit bonne nuit, tout ça. Et il y a un mec, il a dit ouais, c'est ça, Pendero. Mais genre, il croit qu'on n'a pas entendu. Ça veut dire fils des p'tits, je crois, un truc comme oui, ça. Oui, je sais. Ouais, tu vas-y, je vais voir demain avec eux. Ouais, tu verras demain avec eux, vas-y. Tu fais quoi là? Là, je suis au label, je viens de signer un nouveau manager là. Mais arrête. Mais attends, mais tu gères le label toi? Avec, c'est un crack et tout. Enfin, ouais, avec crack, je lui ai envoyé un mec. Putain, mais c'est quoi les trucs que tu gères pas toi en fait? Franchement, je suis T'as un couteau suisse. T'es comme nous. J'ai besoin d'aide. T'as besoin d'aide? Mais nous, on est là, nous. Bah, venez au label, vous allez voir. Vas-y, on arrive. Moi, j'ai recruté un mec, c'est un ancien flic. Mais. Ah, un ancien flic? Vas-y, on arrive. Ouais, on arrive. Un ancien flic. Appelle Valentina, Roya, tu l'as oublié? Ah ouais, putain! Ouais, mon frère. Liam, Roya, fais de l'impro, mon frère! T'es pas une plante! J'ai paniqué! T'as paniqué? Mais, ouais, mais fais de l'impro! T'as paniqué? Mais on s'en fout que t'as paniqué! Trouve-toi une meuf, mon frère, qu'est-ce que je te dise? Est-ce que ça n'a pas de rapport? J'ai paniqué! Je sais pas, j'ai rien compris, Roya! C'est pas de notre faute, t'as paniqué, Roya! Là, on parle de quand t'étais devant et pourquoi t'as pas parlé? Oh, what? Il est encore là? Oh, miskin! Attends, il est encore... Non. Mais oui. Oh non. Oh, c'est pas bien. Il vient seulement d'arriver. J'arrive, hein. Vas-y. Oh, je suis amoureux, les gars. Quoi? Non, attends, mais incroyable, quoi. À quel moment t'es amoureux, Royal? T'as rien fait. Moi, tant qu'il n'y a pas de kiss, il y a pas de flemme. Elle m'a dit bisous. Ah, là, je peux pas dire le contraire. C'est normal, c'est une femme avec un... Mais Liam, mais t'as paniqué, toi, qu'est-ce que tu me racontes? T'as paniqué, toi, tu veux quoi? C'est qui, lui, là, derrière? Écoute, le labo, c'est ton royaume, on était petits, mais dès que tu sors du labo, Roya, t'existes pas dans la vie, Roya. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas ton nom. T'inquiète pas, c'est grandir. Ok, vas-y, on va voir. Inch'Allah, comme vous dites. Ouais, Inch'Allah, ouais. Tu viens de quoi, Liam? Moi, je suis de là, de l'Amérique. Ah. Il est là, il sait pas, il sort pas de son background. Non, c'est chiant. Ah, là, à côté de Dublin, entre Dublin et Berlin, là. Moi, je suis de l'Oya. Oui. Ouais, vas-y, monte. Attends, mais pousse-toi. Y'a pas de place. Ah, c'est bon. Ouais, là, j'y vais au Vangelico, j'arrive tout de suite, là. J'arrive. Vas-y, Beckham. Vas-y, à tout de suite, man. Sauf si se fait braquer. Non, mais on se fait braquer toute la soirée. Non, mais je te promets, il y a 2 heures de ça, il se fait braquer. 30 minutes après, il se fait braquer. Non, mais je te jure, j'en peux plus. C'est un métier à risque, qu'on est d'accord. Mais trop. Non, mais j'en peux plus, Valentina. Je sais plus où donner de la pomme verte. Tu m'étonnes. Surtout que là, t'es gouverneur adjoint, là. Qu'est-ce que t'es pas si gouverneur adjoint, t'es suppléant, là. Je suis gouverneur Robza, ouais. Non, t'es suppléant, Roya. Si jamais elle meurt. Mais Roya, si elle meurt, c'est toi qui passe gouverneur, hein. Ah ouais? Mais oui. Ah ouais, il y a un truc à faire. Oui, t'es vice-gouverneur. Moi, pour moi, dans ma tête, t'es vice-gouverneur, je suis désolé. Ouais, ça faut qu'elle meure. Et je pense que toutes les personnes dans cette voiture sont des posters comme vice-gouverneur. Même je suis vice-gouverneur, ils vont inventer un truc pour. Bon, je sais pas si. C'est quelle la voiture là? Ah mais Kefta, mais pourquoi t'as laissé ta voiture là, Roya? Tu l'as trouvé. Ouais, mais vas-y, c'est. T'abuses. Ah, j'en ai marre de rouler avec des voitures comme ça, c'est trop facile après les gens. Allo, Ro, c'est où le label? C'est où le label? Je t'envoie une pause. Ah bah j'arrive. Je vais laisser Kefta avec la meuf, il va gérer ça au calme. On attend crack. Salam les mecs, ça va ou quoi? T'as quoi, Ro? Je suis là. Ça va ou quoi? En chair et en os, ça s'habite. Attends, montez pas tous. Mais Kefta, il est en train de gérer une meuf, je l'ai laissé. Première fois que je vois la belle. Pas, ça se met bien. J'y vais, moi. Ils ont tous la même tête. Ils ont tous la même tête, les gars. Ils ont tous la même tête, même chevelure. Bonjour. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Ben, ça va super, et vous? Ben, écoutez, vraiment très bien. Est-ce qu'on s'est occupé de vous? On vous a proposé quelque chose à boire, peut-être? Attends, c'est un majordome? Carrément, je savais pas. C'est le mec que j'ai recruté, vas-y. Non, j'aimerais bien un thé au nerf, s'il vous plaît, un thé à la menthe. Eh bien, écoutez, je vais vous donner ça tout de suite. Je vais laisser monsieur, on va vous installer. Mais bien, mais incroyable, wow. T'as vu? C'est efficace du fou, hein. Hop là, je vous tiens la porte, monsieur. Hop. Merci. Quelle bonté, quelle. Waouh. Je vous en prie, asseyez-vous, faites comme chez vous. Je vous conseille la petite place du milieu, c'est quand même la plus moelleuse. Allez, ça marche, je vous fais confiance.
Allez, je vous mets des glaçons, je vais pas de glaçons. Oh, sans glaçons, sans glaçons. Allez, c'est parti, je reviens. Allez, on est vraiment bien, putain. Peter, pour t'expliquer, monsieur Mathieu Rennes, juste là, pendant un moment, a été mon manager. Oh, ouais. La chance. Ouais. Putain, je gérerai surtout les rendez-vous avec les meufs, parce que Oro, c'est un sacré chaud lapin, hein, si je peux me permettre. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de qualités que Oro n'a pas, mais vous avez fait un sacré travail en étant son manager. Ouais. Regardez l'être humain qui est devenu aujourd'hui. Vous devez être sacrément fier. C'est vrai. Je suis pas peu fier. Je l'ai éduqué comme mon fils, ce salaud. ce salaud. Non, mais c'est une manière de parler en Polynésie. D'accord, parce que j'ai pas trop envie qu'il y ait de tension. Monsieur, moi, comment puis-je aujourd'hui me présenter à vous et vous être d'assistance utile publique? Présentez-vous tout simplement. Comment vous appelez? Quel âge avez-vous? Quelles sont vos ambitions? Un petit CV, quoi, tranquille. Moi, c'est Peter Odinson. J'ai 33 ans. Je suis un ancien membre de l'LSP. Aïe. Je me disais pourquoi vous étiez si gentil avec moi. Si ça peut vous rassurer, ils m'ont mis à la porte et bien salement. Et pour quelle raison, si je peux me permettre? On va dire qu'il a compris que les flics c'était pas aussi beau que ça en a l'air. Mais ça se voit, ça. On n'a pas besoin d'intégrer, ça se voit dire. Si ça peut vous rassurer, j'aurais mis deux sacrés bourre-pif ce soir à des agents. Ah. Ouais. Non, il a enfin compris. Et comment vous vous êtes connus, vous deux, si je peux me permettre? Dans la télé-réalité. T'as fait Secret Story. Donc tu te rappelles, le mec, même je t'ai dit qu'il me l'a mis à l'envers. Il rigole. c'est-à-dire qu'on était... Qu'est-ce que tu fais? Bah, faut dire la vérité. Faut dire la vérité, hein. Mais on n'était pas obligé de le mentionner, on aurait juste pu dire que j'avais gagné. La vérité, qu'on devient un nouvel homme. Ah ouais, les bons comptes font les bons amis, hein. C'est ça. C'est vrai, et puis c'est ce que tu as fait avec moi et ça a marché au roux. Alors, excusez-moi, alors oui, effectivement, j'ai gagné Secret Story non sans trahir mon. Ah, c'est vous qui avez gagné Secret Story? Oui. Combien? Premier. Non, mais la somme. Mais combien? C'était la boutade, excusez-moi, je pensais ça, je pense que je me suis senti rigolo. Il adore l'humour. J'adore l'humour. Et donc, du coup, j'ai gagné, mais j'ai pas encore touché, 232 000 dollars. Ok, super. Si vous êtes dans le besoin, j'ai 12 dollars. Tu t'appelles Jeff, toi, c'est ça? Non, Peter. Peter. M'appelez-moi comme vous le voulez. Et Peter, je te mets ma main sur ton épaule. Pourquoi tu stresses, mon enfant? Pourquoi tu stresses? Aujourd'hui, il y a Oro qui me fait confiance et j'ai pas du tout envie de le décevoir. Je suis nouveau dans cette industrie et je voudrais pas qu'il soit déjà déçu de moi. Mais y a pas à être déçu, c'est pas question de vie ou de mort, tu stresses. Souris à la vie, elle te sourira. T'es plus dans le stoïsme ou bien dans le scepticisme, toi? C'est quoi ta philosophie de vie? T'es épicurien, toi, ça se voit, tu baises à tous les coins. J'en étais sûr. Ouais. C'est un gros baiser. Son sourire de coca là. Dans tous les sens, moi j'aime bien les jolis nombrils Comment ça, nombril? T'es nombriliste? C'est quoi ça? Non, en fait, je vous explique, il est un peu pudique avec les trucs comme ça. Pudique? Ah ouais? C'est ça, ouais. Ah! Mais c'est bien! Tu vois, nous, Mathieu, on parle de ça comme normal, tu vois. Non, mais j'ai rien dit de mal, je parle juste. Oui, mais pour lui, c'est déjà beaucoup ça. Ah! Vous êtes timide au niveau de la sexualité, c'est ça? Ouais. Bah c'est bien. C'est une qualité, ça. Voilà. Bah ça fait plaisir. Exactement. Okay, vous êtes chrétien catholique pratiquant? Je crois plus en grand chose à part en euro. Mais pourquoi tu mets la chaîne alors? T'es en cosplay chrétien ou quoi là? On m'a pareillement vêtu pour vous recevoir. Ah. Mais moi je suis musulman. Ah oui. Ben Oro. Non mais c'est pas moi, c'est Crack qui lui a donné. C'est le mauvais cosplay là. C'est toujours Crack. Et Oro, il a craqué sans slip. J'arrête. Essaye d'être pudique aussi avec les blagues, pas avec les nombres. Ok, il y aura plus de blagues. Pardon. Je vous en sais plus. Mais du coup, Oro, tu comptes le réintégrer comment lui? Il va être manager et commercial du label. Oh là 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 là, je le vois bien. Oh, je le vois d'ici. Non mais tu l'as déjà entendu chanter? Mais non, justement, j'attends. Peter, sans stress, hein? Pas de stress. Okay, ça va. Allez, une cheat. Pas de stress. Fais du playback, au pif. Fais-moi un je t'aime, comme ça. Entendu. Je t'aime, je sais pas pourquoi, je rejoue la scène, mais c'est toujours la même histoire qui recommence, tu ne m'entends pas, ma paix.
j'ai plus de voix, je suis désolé, d'habitude je peux. Waouh, 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 mais t'as fait l'euro, tu vois, je te reconnais, t'as fait l'euro. Non, mais c'est l'euro. Si, c'est lui. C'est lui, c'est lui, c'est lui. C'est lui. T'as fait mais l'euro. En fait, c'est parce que j'ai hurlé sur deux policiers tout à l'heure, alors j'ai vraiment cassé ma voix. Pas grave, prends du mais fais une musique douce. Ah oui, une qui comme va... Comme si je n'existais pas, elle était... Si tu veux, t'es pas obligé. Chante ce que tu veux, là où t'es le plus à l'aise, en vrai. Comme si je n'existais pas, hey, wow. Elle hey, est wow. Passée à côté de moi, yeah. Sans un regard, reine de Saba. J'ai dit Aïcha, prends tout, tout est pour toi. Oh Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Là là là, bah. J'applaudis là, incroyable. Après bon, c'était pas Aïcha, mais je t'en veux pas, c'est Aïcha. Mais bah, ça c'est un détail, c'est un détail. Oui, Franchement bien, mais t'as appris à chanter où et comment? En prison. Mais quoi? T'as fait de la prison? C'est toi qui décides. En gros, tu m'as dit de dire la vérité. Bah, ouais, dis la vérité, vas-y. En gros, j'ai mes enfants, mes parents qui sont engueulés souvent. Et du coup, moi, j'avais un Walkman et j'essayais de chanter quand j'avais plus de pignon. Oh, c'est trop mignon. C'est vraiment triste. Vous rigolez, c'est pas grave. Hein, regardez aujourd'hui. Mais ouais, on dirait l'enfance d'un super vilain. Tu vois, c'est un mal pour un bien. Il n'y a pas de génie sans tyran. On est d'accord. Qui dit que c'est super vilain. Là, t'étais devant nous, là, t'es un putain de génie musical, c'est un truc de ouf, tu m'as défoncé des oreilles, j'adore. Ah, je suis désolé, pardon. Mais du coup, j'étais pas censé vous présenter le label. Bah, j'ai bien compris l'assignement. C'était une feinte pour voir si t'allais bien t'en sortir, mais du coup, Mathieu, il s'en est bien sorti, non? Ouais. C'est quoi ton prénom, déjà? J'ai oublié. Odinson, putain, Odinson, pour vous servir. Ok, non, ça, repos. C'est fini. Ouais, repos. Ah ouais, il est toujours dans son truc de flic, lui. Vous étiez quel grade, monsieur? J'étais rookie et demi. Rookie et demi? Ouais, c'est-à-dire que j'étais officier, mais que tout le monde me traitait comme un rookie, mais j'avais l'uniforme zéro. Ah ouais, t'étais en bêta, accès anticipé chez les flics. Exactement, c'était une mauvaise alpha. Ah ouais, en vrai, ouais. Non, t'as bien fait de quitter, en vrai. Ah bah ça, je suis d'accord. Et Euro, t'es un bon hein, de le reprendre, hein. Franchement, de lui accorder une deuxième chance dans la vie, c'est pas donné à tout le monde. Hein. En plus, regardez dans quel cadre vous travaillez, c'est incroyable. Les débuts dans Et t'as une femme, t'as des enfants, t'as quelque chose? Non. Parfait, on va lui trouver une femme maintenant. Pourquoi t'as hésité? Non, t'inquiète pas, Oro. T'inquiète pas, je suis bien comme ça. J'ai compris. C'est les hommes. Quoi? C'est ça? Non. C'est les hommes. Non. Mais dis-le, Peter, on dit la vérité. Non, même pas. C'est bon, Roya, j'ai compris. Il est humble sexuellement, je pense, c'est les hommes. On va trouver un homme, t'inquiète pas. Peter, pas... écoute, il faut que tu nous fasses confiance. Non, bah non, s'il aime les hommes, t'es pas trop en bleu sang. Ah non, bah oui, t'es pas trop en bleu sang avec lui, là. On est en bleu sang? Oui, non. Non, mais dans le sens, genre, on va faire du beau boulot, Peter. T'inquiète pas. Si ça, avec tout le respect que je vous dois, je suis pas très friand des contacts physiques, monsieur, s'il vous plaît. Merci. Avec tout le respect, évidemment. Non, bien sûr, je comprends. Bon, bref. Du coup, attends, t'aimes les hommes ou les femmes? C'est pas important pour là. Attends, mais t'aimes les hommes? Mais c'est pas grave. Non, avec ça je t'as peux droit, répondre. Non, t'as le droit, hein. Non, je peux répondre avec assurance. Je peux répondre avec assurance que non. Okay, donc on va trouver une femme. Et pourquoi t'es pas les contacts physiques? Je sais pas. C'est pourquoi vous aimez les contacts physiques, vous? Mais non, on se check. On se check. Regarde, on fait comme ça, on se check. Vas-y, check. On se check. Yo, my bro, ça va ou quoi? Tchac! C'est pas genre, on se prend pas dans les bras, tu vois, c'est pas... C'est une histoire de... C'est vraiment une histoire de gêne. Alors, je m'explique pourquoi tout à l'heure... C'est un parano sur les maladies, c'est ça? T'es hypochondriaque! Parce qu'on m'a prêté cette tenue et elle était un peu serrée au niveau des jambes. Et du coup, j'ai dû manipuler ma bistouquette pour la tasser dans le pantalon et je me suis pas lavé les mains. Mais ça, c'est rien, mais Roy, on partage tout ici, moi, t'es sérieux, là? Check-moi, mon gars! Eh, kékette, voilà. On est en blessant, mon frère! Allo, Renez! Ouais, Kefita, ça va ou quoi? Je suis au label! Non, ça va pas! Quoi? Ma meuf, elle est partie avec un mec! Quoi? Oh non, je suis dégoûté! Je te jure, il a dit je vous ramène, elle a dit oui! Mais c'était qui le mec? C'est Milton! C'est qui lui? Je sais pas, Roya. Viens au label, on va prendre les glocks, on va les fumer. Vas-y, j'arrive. Allez, bisous, Peter. Il y a Kefta qui arrive, il s'est déjà fait tromper par sa meuf. Merci pour cette opportunité incroyable. Par qui, Valérie? Y'a pas de soucis.
Pas Valentina, elle, ce qui paraît, c'est d'être accompagné par un mec et tout. Il l'a en travers de la gorge. Bah bouge pas. Non, tu vas pas l'appeler, elle. Tu vas faire une salade des sauces. Salut Valentina, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va super. Dis-moi, tu fais quoi demain soir? Bah rien de prévu, à part travailler, c'est tout. Hein. Tu travailles jusqu'à quelle heure? Je sais pas, j'ai pas d'heure en vrai. Quand j'en ai marre, j'arrête quoi. Ok, bah au pire, ce que je te propose, vu que j'ai récupéré le Sky Blue, dès que tu finis, je te récupère et on va discuter un peu, tranquille. Allez, vas-y, pas de soucis. Vas-y, on fait ça, une petite chicha, à boire, manger, plus plein. Je prends pas de chicha, mais ok. Ouais, je la fumerai devant toi. À toi, y'a pas de soucis. Vas-y. Vas-y, on fait ça. Allez, vas-y, bisous, des bisous. Et voilà. Oh, la salopette. Voilà. Mais c'est trop simple pour toi. Mais là, c'est trop là. Mais là, t'as un tractopelle là. Tu les ramasses à la pelle, mon frère. Vraiment, c'est vraiment trop simple pour toi. Hein. Mais c'est trop simple. Mesquin, kifta. Vas-y, mais kifta, mais t'as l'air. Mais pourquoi ma caisse? Ma caisse, tout le temps, elle disparaît, ma caisse de merde là. Oui, bah moi aussi. Voleur de merde là. Je vais sortir une du garage. Écoute, kifta. Kifta, tout à l'heure, elle m'a dit bisous. Je suis amoureux, les gars. Mais regarde, il a dit oui, je suis amoureux et tout. Mais on lui dit la vérité ou pas? On lui dit la vérité en vrai. Ah, mais moi, je vais lui dire. Demain, je dois manger avec ta meuf. Oh, mais c'est vraiment un bâtard, Oro, hein. Non, il voulait tester, je pense, c'est un bon pote, il faisait pas ça en méchant. Ouais, je pense en vrai, ouais. Exactement pas. Bah, là, il me passe pas le dépressif parce que, hein, il y a Hayat qui l'attend et qui élève les gosses pendant qu'il est là. Ouais, mais Hayat, je crois que c'est l'histoire ancienne. Et il répond pas, je sais pas où qu'il est. Bah oui, il m'a dit, je sais pas, j'ai pas trop de nouvelles. Je lui ai envoyé un courrier, il est jamais arrivé, je crois. J'ai pas reçu la carte de réception, je te jure. Je pense que Hayat, elle l'a quitté. Oh, bah, c'est plus lui qui l'a quitté, hein, depuis le temps. Ouais, ça fait 6-7 ans, pense... Il est là, il a pas de nouvelles d'elle, hein. Oh, y a du monde, hein. Bah, y'a Kraken. Ah, bah, il est là, on l'entend d'ici, c'est fou. Je l'entends pas. Il est débordé, votre collègue. Bonjour, chef. Il est débordé. Ah, là, Liam, il sert à rien, comme d'hab. Liam, le pot. Kif ta tito. Roya, j'en peux plus. 9000, 8000. C'est bien, d'enchaîner les ventes, c'est bien. Faut que je te parle après, Kif ta. Ah ouais? Ouais, par rapport à ta meuf. Je te jure, prépare les mouchoirs, c'est une dinguerie. Arrête tes conneries, vas-y, arrête. Je te jure, Roya. C'est pas Roya pour te plomber. Hein. T'es prêt? Non, assieds-toi. Assieds-toi, faut que je te parle, Roya, vraiment. C'est une dinguerie. Kifta! Ouais, là, je suis à deux doigts d'éteindre la lumière et tout, je te jure. Oro, quand je lui dis que ta meuf Valentina, elle était partie avec un mec, il me dit, attends, je vais l'appeler, celle-là. Il l'appelle, et il dit, salut, Valentina, ça va et tout? Oui, ça va. Tu fais quoi demain? Bah, demain, rien de spécial, je travaille. Tu travailles jusqu'à quelle heure? Bah, je sais pas, ça dépend. Quand j'en ai marre, je me casse. Ok, voilà ce qu'on fait. Demain, quand tu finis, tu m'appelles. On se capte, tu te récupères. Skyblue, petit chat qui arrive, et puis après, je t'emmène à l'hôtel et je te déglingue. Ok, pas de soucis. Ouais. Ouais, les ventes en ce moment, c'est une dinguerie. Hein. Vas-y, Oro, dis-lui par rapport à Valentina. Vas-y, il me croit pas. Vas-y. Trop facile. Vas-y, appelle-la. Mais trop facile. Vas-y, prouve-moi-le. Mais viens, va dehors. C'est souple. Hein. Putain, réponds pas. Pas grave, attends. Mon répondeur. Mais bon, Mathieu, il est témoin. Je l'ai appelé. Mais il me croit pas. Moi aussi, j'ai mal. Oh là 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 là. Ah là, j'ai des fourmis dans les genoux là. Ah, ça casse la tête. Oh là là. Kefta, toi, appelle-la. Tu dis, ouais, tu fais quoi demain? Viens, on se capte. Vas-y, on va voir si elle te dit. Oh ouais, bah oui, carrément. Si elle te dit non, je dois voir Oro. Alors là, mon pote. Oh là là, mais si elle te dit non, je suis libre et tout. Comment on peut interpréter ça? Allez, Valentina. Je t'ai pas vu partir là, je t'attendais. Mais si, mais t'avais trop de monde à la bijouterie, je t'ai dit, je suis à pied, tu m'as dit, pas attends, je vais pas attendre qu'il y a tout le monde. Et après, t'es rentré comment, du coup? Et après, monsieur, comment il s'appelle, là, le monsieur du tatoueur, là? Je sais pas son prénom, bref, le monsieur, là. Milton, ouais. Ouais, il m'a déposé. Tu fais quoi demain? Tu fais quoi demain? Pas grand-chose, hein, et toi? Bah, moi, pas grand-chose, hein. Pas grand-chose, hein. Eh, on se fait une petite soirée ou quoi? Où ça? Bah, je sais pas, moi, où tu veux, hein, pourquoi? Juste, il y a un certain Oro qui m'a proposé de boire un verre avec lui. Ah ouais. Ah, tu fais plusieurs dates, après tu vois c'est lequel le meilleur, c'est comme ça? Bah, pas du tout, je fais pas des dates. Bah, c'est un date quand même, aller boire un verre, non? Bah non. Tu vois, d'accord, ok. Genre, par exemple, s'il y a des amis qui me disent, bah viens, on va sortir, bah je sors. Ah, ok, d'accord. Et avec Oro, oui. C'est comment en ce moment? Ça se passe bien? Je sais pas, je le connais pas. Ah, donc toi, il y a un mec que tu connais pas. Il te dit, viens, on va boire un verre. Tu dis oui, vas-y. Bah, après, j'ai dit oui, mais si je suis disponible, hein. Si je suis pas dispo, j'y vais pas. Hein. Ah, ouais, voilà, forme avec des principes, on est d'accord. Bah, oui. Ah, voilà, ok. Bah, vas-y, demain, on se capte. Okay. Vas-y, je dis à Oro que je suis pas dispo. Vas-y, ça marche. De toute façon, c'est un gros c. Vas-y. Des bisous. Vas-y, bisous. Allez, mon gars. Oh là 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 là. Mais attends. Mon frère. Bah, écoute, Kefta, la vie de ma mère. La vie de ma mère, je vais la pécho.
Mais rappelle. Mais non, mais pourquoi? Mais non, mais c'est à elle de rappeler, c'est pas lui. C'est à elle de rappeler. Sinon, c'est grillé. Oui, c'est vrai. Et t'as pas dit bisous, t'as dit bisous. Elle veut. Tout à l'heure, tu dis quoi? Comment ça, elle veut avec lui et pas avec moi? Regarde-le. Tu sais, à un moment, elle a dit quoi? C'est un homme du puissance. À un moment, elle a dit quoi? Elle a dit vas-y, je te fais plein de poutou. Oh là 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 là, les frissons de malaise que ça me met. Allez. Et ça y est, toi, t'as eu un bisou, t'es amoureux. Cousin. Mais Oro, t'as combien de dossiers, toi, Roya, en cours là? T'inquiète, j'ai un intercalaire même. Mais... Oui, Oro, déjà il a Sky. Déjà il a Sky, ça c'est sûr. Mais c'est faux, j'ai pas Sky. T'as dit quoi? J'ai pas Sky. Mais non, mais tu veux, t'es sur le dossier, Roya. Bah oui, un peu comme tout. C'est pour voir, c'est juste un challenge. Mais elle est où, Hayat, dans tout ça là? Ah, vas-y, Hayat. Rentre pas dans le cargo, Bob. Alors que ça s'occupe de tes gosses. Passe pas par la douane, Roya. Dans le cargo, Bob, elle passe pas. À la douane, elle passe pas, Roya, c'est compliqué. Et trop, frère, alors qu'elle m'a donné son numéro en moins de 30 secondes. Je sais pas, j'ai envie de planter un mec. Quoi? Mais t'as déjà fait la. Mais tu l'as déjà fait. Vas-y, Liam. Ouais, tu l'as déjà fait. T'as oublié ou quoi? Cours vite, hein. Cours vite, avec toi. Cours vite, Minecraft, hein. Cours vite, hein. Il doit courir dans le labo, il doit s'entraîner. Hein. Ouais, il cavale le chenil. Vas-y, Oro, essaye. Fais un double date. Va dire Sky, dis-lui demain Sky Blue, tout ça. Vas-y. Ah oui, bah l'autre elle a annulé, c'est bon, je peux. Non, elle a pas encore annulé. Elle a pas annulé. Possiblement. Elle a possible. Sky, il faut que je te parle urgent, là. Assis-toi, faut que tu parles. Je suis en recrutement. Mais on le recrutera plus tard, là. Je veux te recruter pour mon cœur, là. Pas mal. Viens, on va le former, nous. Et lui, là, il est où? Attends, viens. Là, il est là, il attend. Bonjour, monsieur, comment allez-vous? Bonjour, monsieur. Ça va bien? Oui, ça va. Vous avez été recruté ou pas encore? Ouais, là, il me montre la compta de ça. Ah, ok, ça va. Vous appelez comment, monsieur? Samir. Samir? Ouais. Vous êtes arabe? Bah, je viens de Colombie. Samir de Bogota? Samir Ramirez, je viens de Colombie. Ah, ok. Moja Pacino, c'est ça? Monsieur, vous voulez travailler ici pour gagner un maximum d'argent, on est d'accord? C'est ça. Bien sûr. Vous allez écouter nos conseils avec la plus grande des attentions. Écoutez, okay. Les gens ici, c'est qui veulent ici acheter des bijoux de luxe? Des gens qui ont de l'argent. Qui ont du pouvoir. Okay. On est d'accord. Ouais. Mais ces gens-là, ils ont un complexe de supériorité. Donc, eux, ils ont l'habitude de dominer les gens. Donc, quand vous venez ici, c'est à vous de les dominer. Ils aiment trop quand on les insulte. Vous voulez quoi, ça? Tu veux quoi, ça, le chien? Ça, c'est des ventes assurées des fous. Ça, c'est direct. Écoute, je suis pas sûr, ça. Mais écoutez, je suis vendeur. Samir, on est vendeur. Ouais, on a les meilleurs vendeurs. Je suis vendeur. Demande à Sky. On s'est fait 130 000 $ cette semaine. Ouais. Et encore, on était absent 3 jours de la semaine. C'est pour te dire. Il n'y a pas de serrage de main, pas de bisous, rien du tout. Froid, sec et précis. Ouais. À la rigueur, une petite tape sur les fesses en partant. Regard coquin, regard malicieux, embrassade, de loin en Bluetooth. Note, t'as noté ou pas? Ouais, j'ai tout noté. La tenue, reste comme ça, c'est parfait. Il y a juste le pantalon. Ouais. Viens en short, c'est mieux, Roya. Je te le dis direct. En short? Pourquoi tu rigoles, Roya? Je donne des conseils, Roya. Mais si tu veux pas te faire de l'argent, reste chez toi, retourne en Colombie. Ok, non, mais je note, hein, t'inquiète. C'est un délire. Chaussettes, Roya, tu les gardes par contre. Casquette à l'envers, Roya. Tu viens avec un dégradé, Roya, au cutter. C'est quoi ce délire là? Viens avec une casquette, Roya, sois classe. Là, on n'est pas en tenue de travail là. Là, on est en tenue de détente. Tu veux la tenue de travail? Tu veux la tenue de travail? Ouais, vas-y. Vas-y, retourne-toi 10 minutes. Allez, retourne-toi. Vangelico, bonjour, j'écoute. Tu vois? Là, il y a quelque chose. Là, on tient quelque chose. Là, on tient le bon bout. À peu près. Bah tu verras. Tu peux te retourner s'il te plaît, Roya. J'aime pas quand on me voit nu. Ok. Merci, Roya. C'est bon. Voilà. Et là, je suis en tenue détente. Non, mais tu fais vite, hein. Roya, tu me connais pas, Roya. Ça se voit que tu t'appelles comment? Samir Ramirez. Samir. En fait, c'est Sami Ramirez ou bien Samir Ramirez? Samir. S-A-M-I-R. Ok. T'as des origines ou pas? Bah ouais, hein, colombienne et arabe. Ah bah voilà. Quel pays on a en des arabes? Le Maroc. Mais non, Wild Bled, mais fallait le dire, Roya. Tu viens de quelle ville? Marrakech, la ville du diable. Marhaba, Roya. Ouais, je viens de là où il y a les petits marchés bizarres, là. Ah ouais, t'es dans le thème, là. J'aime El Fna, Los Santos, t'es bien, là. Ah, j'ai entendu Marrakech, ça. Mais il vient de Marrakech. Ah, Wild Bled. Mais il venait pas de Bogota. Pourquoi tu nous fais le Colombien, Roya, de Métalère? Je suis né ici, mais c'est mais on s'en fout, Roya. On s'en fout. Moi, j'ai fait toute ma vie à San Diego. Tu connais cette fille?
T'es à côté. Ah, j'ai pas été encore. Enfin, j'ai été deux, trois fois au Maroc. Mais non, lui, c'est un gangster de Jamel Hefner. Je le connais. Ah, ouais, je vois. C'est... Les Hinoucha et tout. Avec les serpents. Ouais. Et les bêtes bouches. Attends, mais toi, tu postules pas pour être gouverneur, toi? À la base, mais ça c'était quand j'étais petit. Il a perdu, maintenant, il a perdu. Grandir, ça, c'était, hey, ça c'était entre deux ventes, on voit Gilico, on se faisait chier. C'est pour te dire. Hein. Ah, d'accord. Bah... Okay. Non, c'est pour couper les étiquettes des bijoux, c'est pour couper les étiquettes. C'est pour couper. Ah ouais, c'est un peu grand ça quand même. Ouais, c'est pour ça que je crois qu'il a sorti ça, c'est plus simple, non? C'est pour le haouli, c'est non. Pour le haouli ça. Voilà, donc ça c'est les conseils, applique-les à la lettre, tu verras, tu vas devenir. Ouais. Where, comme on dit chez nous. Where. Where. Ok. Dis-le. Where. Non, mais non, mais non. Regarde, c'est quoi ça? Where. Where. Gerga, dis Gerga, Gerga. Galgar. Oïe, aïe, 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 c'est pas un produit du Maroc, ça. Non, vas-y, Roya, on va rester sur la Colombie, Roya, c'est bon? Ouais, la Colombie, c'est mieux, je pense. Regarde, fais un test avec le client. Vas-y, fais un test. Fais comme t'as dit, hein. Comme je t'ai expliqué. Vas-y. Bonsoir, fils de p***, tu vas bien? C'est comme ça que tu m'as dit, hein. Oui, peut-être, oui. J'ai... C'est comme ouais, ça c'est... que vous, c'est comme ça que vous apprenez. Ah, mais ça, je n'avais pas reconnu. Mais ça. C'est comme ça que vous. Mais non, mais on est en pause. Mais ça. Passe-moi un 10, passe-moi un 20. Vas-y, bah, fils de p***, je vais des boucles d'oreilles, s'il te plaît. Voilà, c'est ça qu'on veut. Ah là, qu'est-ce que tu réponds là, Samir? Samir de Bora. Je réponds, tu vas attendre parce que. Voilà, non, le couteau, le couteau, frère, couteau, direct, couteau. Couteau, carrément? Mais bien sûr, oui, je t'attends. Allez, t'es sûr faire. Tu vas pas faire. Je fais quoi? Non, c'est bien, c'est bien. Il c'est va bien, pas faire. C'est bien, c'est bien. Là, tu peux le ranger, tu le ranges, normal. Ouais, tu le re-ranges. Voilà. Okay. Bon toutou. Okay. Bon, là, tu ressors, tu le plantes par contre, là, ça va pas là. Ok. Là, c'est une dinguerie là. Là, c'est une dinguerie là. Je vais pas le planter. Mais regarde, t'as dit bon toutou, t'es un chien. T'as dit bon toutou, genre t'es une chienne. Franchement, t'es pas un vrai Marocain si tu te laisses faire. C'est le faux Marocain de Marrakech. Je peux pas faire ça, moi. Un vrai Marocain, il l'aurait fait. Un vrai Marocain, il l'aurait fait. Enlève Samir. Enlève Samir. Je vais t'appeler Rodriguez. Juste Sam. Arrêtez vraiment. Samir de Bogota. Sam de Bogota. Je vais ranger ça, je vais faire une bêtise que je vais regretter. Mais là, tu fais une bêtise. T'as traité de bon toutou. T'es un crêpe. T'es un chien. Il t'a dit bon toutou. Et en plus, c'est nargue. Il reste devant toi. Ça veut dire, genre, si t'es un chat, c'est vrai ta mère est une chienne. Voilà, wow. T'es un gris. Là, tu vas te laisser faire. Oh putain, ça, mais là. Je peux pas rester sans rien faire. Mais on est d'accord. C'est parce que t'es pas un vrai Marocain. T'es pas un vrai Marocain. Le problème, c'est que je peux pas le planter là comme ça. Bah pourquoi il t'a dit bon toutou. Mais regarde, nous on a rien vu. Je ferme la boutique. Moi, si ferme les yeux. Moi, je ferme les yeux. Moi, je ferme les yeux. Non, rien. Et bon, la boutique elle est fermée. Regarde, fais ce que t'as à faire. Vas-y, mets-moi ton coup de couteau. Ouais. Mais c'est, tu sais pourquoi il est serein? C'est pas un vrai Marocain. Il a un cancer, il en a rien à foutre de clamser, il s'en bat les couilles. Là, il est dans les arrêts de jeu, Mason, il s'en bat les couilles. Roya, il est à la 89e minute, Roya. Il est à la 95e minute, il s'en bat les couilles. Il sait très bien qu'il n'ira jamais au pénalty, Attends, mais t'as vraiment un cancer? Il baille en plus. Ah ouais. Oh là 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 là. Aucune pression. Là, il cherche en vrai. Et tu fais rien. Voilà. Le moque. Voilà. Mais pourquoi il avait tapé Liam, j'allais l'enchaîner. Non, il a tapé Mason. Non, il a tapé Mason. Ah, bah si c'est Mason. Mais tu vas jamais être pris au Vangelico, Roya, c'est quoi ça? Si c'est Mason, alors. Fallait le planter, là, c'est rien, ça. Sky, t'as vu ce qu'on avait, Sky? C'est dingue, là. Non, j'ai pas vu. Oh, bah ça va. Bah ça va, alors, ça va. Tu vois pas Mason par terre? Non, bah trop. Il l'a frappé. Qui l'a frappé? Mais c'est pas, ils m'ont dit de le frapper. On est pas des braves. Mais pourquoi je les écoute? C'est le petit. Mais je sais pas. Mais est-ce que tu sais que lui c'est l'ancien PDG Vangelico ou quoi? Je sais pas. Attends. C'est pas ça le problème. Bon là tu m'as mis un coup derrière la nuque, ok. Mais le couteau il est où maintenant? Aïe! Oh, mais il veut! Tu fais rien! Mais il veut! Tu fais rien! Mais il veut! Il est. Ah bah je sais pas, tu te fais engrainer.
Vas-y, le couteau. Va jusqu'au bout. Tout à l'heure. Vas-y, fais. Fais le Franck Lassen. Fais le Franck Lassen. Urgent. Attends, attends. Ouais, du coup, pourquoi tu m'avais appelé? Demain soir, je suis pas dispo. Ah ouais, tu vas faire quoi? Bah, j'ai Kefta qui m'a invité. Tu m'as dit quoi? Kefta qui m'a invité. Kefta? Ouais. Kefta, le mec marié. De quoi? Il est marié? Oh le bâtard. Mais il a trois gosses. Oh le bâtard. Ah okay. Ben oui, c'est ouais, et tout, je la connais sa femme. Attends, je vais l'appeler, je vais lui demander. Oh le bâtard. Vas-y, ça marche. Je te rappelle. Bizarre. Vas-y. Oh le bâtard. Tu viens de le baiser. Tu viens de le baiser. Tu viens de le baiser. Allô, la plus belle, ça va? Oui, ça va et toi? Enfin non, bah, ça va ouais. Pas trop. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Bah, on m'a dit que t'étais mariée. Qui t'a dit ça? Bah, Oro. Roro? Mais non, je suis pas mariée, jamais de la vie. Il m'a dit que t'es mariée, t'as trois enfants. Non, quoi? Mais c'est important. Bah, après, les enfants, ça me dérange pas. Tu vois, si t'as eu un passé, je m'en fous. Non, j'ai pas eu mais... passé. J'ai pas de passé. J'ai un an. Et t'as quel âge? Toi, t'as un passé, toi? Ouais, t'as quel âge, Kefta? Ouais. Voilà. T'as dit quoi? T'as quel âge? Non, honneur aux femmes, honneur aux femmes. Non, honneur à toi, j'ai demandé avant. Ah, attends, si je suis né en 2002, ça veut dire que j'ai 22 ans. Oh, t'es très jeune. Non, commence pas. Non, j'ai 24 aujourd'hui, 24. Lyon, 24. C'est toujours très jeune. Ah, mais non, j'ai 32. Ah, ça va, j'aime bien 32. Bah oui, j'ai 32 ans. Parce qu'en fait, je me suis trompé avec les années... Ok, parce que moi, je suis une femme, je suis pas une gamine. Ouais, mais je me suis trompé avec les années bissextiles, en fait, parce que... Parce que mon anniversaire, c'est tous les ans, pas tous les 4 ans. Ah, d'accord. Des années. Ok. Bah oui. Mais du coup, j'ai une question, Kefta. Oui, à peu cherche près quoi en autre. T'es mal avec la béquille, avec la béquille. Tu cherches quoi? Genre, pourquoi c'est en toute amitié, c'est pourquoi un rendez-vous. Pourquoi tu me menaces? Non, c'est une question. Mais tu m'as menacé, je me sens grave menacée, là. Non, mais c'est une question sérieuse. Tu cherches quoi, tu vois? C'est en mode on se voit, en mode amitié, en mode tu cherches plus, tu vois? C'est. Mais non, on se voit, on cherche plus. Donc tu cherches à te poser. Bah oui. Genre bah relation oui, sérieuse. Bah oui. Ok. Mais genre vraie relation sérieuse, hein. C'est pas ouais. Une relation. Ouais, on est là, viens, on va à la Paris Games Week. Non, des vrais trucs, hein. Genre okay. Moi je suis devant la play, tu t'es sur le thermomix. Des vrais ouais, mais d'abord, faut qu'on apprenne à se connaître aussi, parce que voilà, si ça bah va oui, pas. Bah oui. D'ailleurs, c'est quoi ta marque de Thermomix préférée? J'en ai pas. Ah ouais? Bah ouais, tu sauras quoi m'offrir du coup. Bah oui, direct. et j'ai pas de gosse et j'ai pas de femme, c'est un menteur. Ouais, c'est un menteur du coup. Ouais, bah oui. Vas-y, je le bloque. Vas-y, bloque-le. Vas-y, des poutous, à demain. En plus, il avait une MST il y a une semaine. Hey, il avait une MST il y a une semaine en plus. Ah, il dégoûte. Ouais, c'est dégueulasse. C'est un clochard. Par contre. Tu pourras le dire à toutes tes copines. Ouais, je veux dire qu'Oro, il y a des MST. Ouais. T'es du genre à aller tout ce qui est unicorn et tout ça? Non, moi, c'est pas. À toi d'abord, c'est ton délire, quoi. Ah, mais pas du tout, hein. Les gars. Ah, non, pas du tout, moi. Les gars, vous rappelez ou pas? Bah ouais. Ouais, non, c'est pas mon délire, hein. Vas-y. Non. Bah écoute, vas-y. Demain on apprend à se connaître, c'est bon? Ouais, vas-y, ça marche, on fait ça. Tu sais à peu près vers quelle heure ou pas? Non, je suis pas du genre à aller à l'icône, bah non. Tu sais que j'en ai grave occupé, moi. Vas-y. Ouah, comment t'as géré? Je suis pas fort. T'es super fort. Tu veux voir comment je suis fort? C'est bon. Vas-y. Aïe! Là, il y a un partout. Ah ouais? Là, c'est mort, t'auras rien, c'est bon. En plus, t'as une MST, c'est fini. Ouais, c'était une photo de toi avec trois danseuses au V-Club. Et alors, c'est des danseuses, regarde. Oui, mais moi, je vais pas à l'unicorne. Moi, je vais pas à l'unicorne. Allez, force, elle va t'appeler dans 2 minutes. Oh, merde, alerte. Oh non, il l'a envoyé. Heureusement, tu me rappelles. Non, ça va? Ouais. Ah, j'ai une question, t'as parlé à personne qu'on s'est vu tout à l'heure? Non, personne, regarde, pourquoi? Parce que je suis sur le téléphone, je scroll sur Twitter, tu vois, comme un mec normal. Tu vois, un gars, il dit les madrasons roubés sur la barbe d'Odin, je sais pas quoi. Tu connais pas des. Hein? Des vikings, un truc comme ça? Non, pas du tout. Okay, non, c'était... Non, on est sortis du rendez-vous sans plus. Et d'ailleurs, tu m'as dit que tu voulais des trucs, non? C'était quoi des trucs? Non, je t'ai dit, c'est pas pour moi. Je peux te mettre en groupe pour te montrer qu'on bosse, nous. Bah, j'ai balance pour le toi. Vas-y, balance vas-y, le numéro. T'as combien? Il y en a 2000. Ouf. Oh, 2000, ouais, ça marche, mais dis pas si moi je t'ai donné. Hein. Non, t'inquiète, Roya, t'inquiète. Je dis personne le sait. Vas-y, mais non, en tout cas, on a parlé à personne de vous. Par contre, le PNDR3 à la fin, c'était pour nous?
Je lui mets une tarte, t'inquiète, c'est bon, c'est pas pour vous. Ah, ok, entre okay, nous. Ça va. Il y en a, il a tapé un, il a mis une tarte à l'autre et on va dire, tu connais. Vas-y, ça marche. Vas-y, vas-y. Vas-y, ça s'énerve facilement. Ouais, vas-y, je ça comprends, marche. Je comprends. Vas-y, 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 je vais t'envoyer le numéro là. Il y a vraiment des mecs qui sont tapés. Voilà, Liam, t'as encore un client. Ils sont prêts, les 2000 des temps. Liam, skin. Ah, Liam, il a v'là les clients, Roya. Mais Liam, en plus, il y a Tyrone qui m'a appelé. Oh, 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 tu comptais faire quoi là avec Valentina? Bah, rien. Bah tu vois t'as dit que t'as... Pourquoi Valentina elle me dit c'est une blague pour l'interrogation? Ah ouais genre la vidéo, t'as envoyé la vidéo du photomontage, photomontage, photomontage. Oui, photomontage, oui. Ah ouais, photo est trop beau, vas-y. T'as vu Liam, tu dois pas être de son côté, c'est moi qui te fais bosser. Mais regarde, Sky, mais... Sky, allo Sky. Il m'a envoyé 10 000. Ouais, je suis devant, pourquoi? Viens, Mathieu, allô, quoi s'il te plaît? Oh putain, j'ai fait quoi? Viens. Oh, elle lui a dit sur un ton sec, hein. Viens. Mathieu, bon, ouais, tiens, j'avais besoin que tu... Ouais. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Vas-y Sky, alors, je réexplique. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi, quand je suis en plein recrutement, vous allez voir du coup la personne à ma droite qui vient se faire recruter, lui dire Samir, oui, Samir quand il y a un pas. Client, vous allez le voir, vous l'insultez, quoi, et s'il fait le fou, je lui sors un couteau. Mais à quel moment on va dire ça? Qu'est-ce qu'il raconte? Après, c'est Sky, c'est grave de croire des mais toi, des non, en fait, personne, là, si, j'essaye de comprendre l'histoire. Si, 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 si. Là, moi, j'ai eu sa version des faits, j'ai eu la vôtre maintenant. Sky, on le connaît même pas, on le connaît même pas. On y gagne quoi à faire ça? Oui, Sky, il est majeur, il est vacciné, on est d'accord. Fais pas de la descente. Bien sûr. Bah voilà, pourquoi je comprends pas? Mais on a rien. Mais pourquoi on aurait fait ça? On le connaît même pas. Bah oui, on le connaît. Alors moi, c'est sa version des faits, moi j'attends la vôtre maintenant. Bah tu l'as. Lui, il a dit quoi? Non, mais tu l'as. Il a dit ce que je viens de vous dire. Bah non, c'est faux. Il s'est passé quoi avec Mason? Pourquoi il était par terre alors? On lui a dit de jouer. On lui a dit au monsieur, je sais plus comment il s'appelle, de jouer les apprentis vendeurs. Et voilà, et puis Mason, il a pas trop apprécié la manière dont il parlait. C'est vrai qu'il a mal parlé, mais ça, à un moment donné. Donc, ça s'est échauffouré. Moi, j'ai pas très bien compris. Mets-moi un coup de couteau. Non, pas maintenant. Je sais pas quoi. Et puis voilà. Je suis pas son père. Hein. Si se tape, il se tape. Hein. Qu'est-ce que je te dis? Du coup, c'est bon, c'est réglé cette histoire. Samir. Toi. Samir, bah, c'est un grand garçon. You. Bah quoi? Bah oui, quoi? T'as un truc à dire par rapport à ce qu'il a dit? Non, ils ont une version différente de la mienne. Ouais, voilà. Okay. Voilà. Bah, c'est leur parole contre la mienne. Donc, voilà. Ça, bah non, on va faire un truc. Je vais appeler du coup. Le principal concerné, Mason. Mais Sky, elle est flic en fait. Non, si, mais si, ce j'ai qui se passe au sein Sky, de mon ouais, Chico, me regarde. Mais Sky, mais si ils ont envie de porter plainte, ils ont qu'à porter plainte et puis c'est bah tout. Bah oui, croyez de nous, croyez pas de lui. Mais est-ce que je voulais régler l'histoire? Mais tu t'es qui pour régler l'histoire? Je ne veux, en tout cas, je ne veux plus que ce genre de choses. Bah, je ne veux pas savoir de qui ça vient, le pourquoi du comment. Je vais vous donner un avis extérieur. Non, ça regarde moi et mes employés. Ah, c'est vos employés? Oui, c'est mes employés. Je ne veux plus. Je ne veux pas savoir de qui ça vient, de pourquoi, du comment. Je veux juste pas que ça se repasse au oui, sein de l'Angélico. Oui, chef. D'accord, chef. Oui. Bah après, pour notre défense, on était sans surveillance, madame. Parce que pendant que nous, on travaille, madame est en train de se faire draguer par Oro. Voilà. Je veux la vérité, tu l'as. Ok. Ouais. C'est qui m'a poussé à y aller? T'es une grande fille, tu peux dire non? Oui, je suis une grande fille. Voilà. Mais vous m'avez quand même. Ça, qui ça vous? Qui ça vous? Qui ça vous? Et moi? Attends. Qui ça vous? Non, mais lui, c'est un bon. Hein. Lui, ça se voit, il est motivé pour travailler si jamais. Hein. C'est un bon. Ouais, bien sûr. Ouais, mais avec ce qui s'est produit, j'ai plus trop envie. Bah, ça va, c'est rien. Oh. Il prendra la place de Hamid. Bon, Sky, on va te laisser. On a des trucs à faire. Mais on a déjà un peu de semaine. Désolé pour la gêne occasionnée. Veuillez agréer nos excuses. Je peux. Voilà, cordialement. C'est pas grave. Mais Kefta, je t'aime bien, mais nique ta mère. Yo, laissez-moi dire bonjour à Liam. Yo, salut Liam. Yo, yo, my boy. Yo, my man. Wesh. Yo, ma. Ouais, il fait un arrêt cardiaque, qu'est-ce qui t'arrive? Non, je m'entraîne aussi, c'est... Ah, pour lui faire du bouche à bouche. Non. Ouais, bah si, il faut le... C'en est où, t'as pas appelé? C'est bon, je lui ai dit, c'est une IA, elle a déjà, vas-y, je te crois, c'est tout. Ouah, ouais, mais elle est conne. Elle est tellement teubée, frère. Mais regarde, ouah. Amoureuse de quoi, elle est teubée comme une table basse. Quoi? Il y a une vache. Il y a une vache là. Mais il s'est passé quoi? Pourquoi il y a Feldhaus? Mais il s'est passé quoi là? C'est bon. Y'a rien, tranquille les gars, c'était ma daronne. Ah! Bon, ça va. On a pris ta daronne. Ouais, mais non, tranquille, franchement, c'est une grosse. Si elle passe, Hayat, elle peut passer. Moi je dis Hayat. Non, pas Ha. Pas Ha. Ha. Non, allez frère, j'ai pas l'accent. Vas-y, Ha. Toi tu viens de Bogota? Comment? Toi tu viens de Bogota? Bogota, Hada. Moi je viens de Wahran, moi. Quoi? Ah ouais. Wahran? Mais. Oula. Mais redis. Le seul truc, c'est quoi ton prénom? C'est Wahran. C'est quoi ton prénom? C'est Mani. Hein? C'est quoi? Mani? Ouais, ok, Tony Montana, vas-y. Ok, Mani. Mani, okay. C'est Mani Montana. Wahran. Non, moi c'est Mani Santana, les gars. Oh là là. Mani Santana ou Wahran?
Toi, t'as les mains de, dans la merde, elles sont faites pour l'homme, c'est ça. Ah non, là, ouais, c'est dans mes poches, frère. Ok. Donc toi, le soir, omelette frite, on est d'accord? Oui, oula, ouais. Ça, ça le dit rien. Voilà, c'est un... non, c'est vrai, ça. Non, ça ne dit rien, c'est confirmé. Ren, s'il te plaît, laisse-moi le prendre. Ah ouais, y a pas de place dans le coffre, vous l'aurez jeté dans l'eau. Vas-y, prends-le, mais prends-le. Non mais Thaï, porte Liam, ça fait une place dans le coffre, vas-y. Vas-y, on va te ramener, vous régalez les frères. Bah ouais, quoi, bien sûr qu'on régale, regarde. Liam, sors. Non mais monte dans le coffre. Ah ouais, c'est bon. Voilà. Merci les frères. Bah, regarde avec plaisir. Du coup, on te lâche où? Déposez-moi vers la Mesa. Vas-y, carré. Moi, sinon, votre journée, c'était comment, les gars? Je te mets le GPS, René. Vas-y, ou pas la Mesa? Et du coup, avec Valentina, qui a rendez-vous avec elle demain? C'est moi. Ouais, c'est lui, vas-y. Mais les gars, j'aurais besoin de coach, hein. Y'a pas des radios pour mes coachs, ouais. Des radios? Quand t'as organisé ça, ouais, des petites radios. C'est vrai, tu me coaches. Au final, il y a besoin d'aide, hein, au final. Non, t'en penses quoi, en vrai? On est bientôt arrivé, chef. Vas-y, c'est carré. Attends. Vas-y, on est arrivé. Vas-y, c'est bon, on est arrivé. Tu peux descendre. Faut ouvrir le coffre, tu peux pas, là. Bah c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est automatique. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Vas-y. Salam. Ah, je suis ma mère. Tout là, il me fait rire. C'est si simple, mais si efficace. Oh là là là. Je l'ai jamais fait, moi, c'est la première fois. Ah, moi, je suis pas... Ah ouais, je suis pas un bâtard comme vous, moi. Salam, Khoya, ça va ou quoi? Ouais, ça va et toi, Khoya, ça fait quoi? Bah, je suis à la villa, je me réveille là. Ah bah, j'arrive à la villa justement. Khoya, je crois que je suis un peu dans la merde. Pourquoi? T'as fait quoi? Parce que je crois que le lion ne s'associe pas avec le cafard. Bah, ouais, mais ça, c'est la base, Khoya. Ça veut dire que je peux pas le dire au téléphone, Zama, le lion ne s'associe pas avec le cafard. Vas-y, bah, je t'attends, je suis devant la villa, vas-y. Ah, les gars, je me suis fait une nouvelle tenue. Ah, le guépard. Ah ouais, mon pote. Combien sur 20? Ça, c'est vraiment la tenue originale, Roya. Pour les anciens old school des fous, hein. Tenue sans tenue. Mais comment ça, tenue sans... Mais wesh, elle est incroyable. À poil sur 20. Mais wesh. Putain, je pensais qu'il venait me chercher en voiture. Ouais, on a été pris en otage avec René. Ça va? C'est Sky? Non, c'est Brian. C'est Brian, mais... Ah, mais il veut nous voir 5-10 minutes. Vas-y, on arrive. Envoie une pause. Vas-y, moi, il faut que j'aille voir Oro dans son studio. On bah nous aussi, ouais. Vas-y, bonne arrivée. Je vois là-bas dans 5 minutes. Vas-y. Roya, mais je croyais que tu venais te chercher avec ta voiture. Ça va encore, Roya? Mais quelle voiture, Roya? Elle est dans l'eau. Mais depuis hier. Smain, c'est pour ça que je te dis pas de téléphone, Smain. Oui, bonjour. Du coup, vous êtes au commissariat? Pas au poste? Mais pourquoi vous voulez que je sois au commissariat? C'est pour la convocation, monsieur. Ah, je suis convoqué? Et je viens de vous appeler, il n'y a même pas 2 minutes. C'est Yazid. Oui, exactement, ouais. Ah, Yazid, ça va? Yazid, ça dit quoi? Ça va, et vous? C'est pourquoi, ouais, c'est pourquoi la convocation, c'est pourquoi? Ouais, c'est... Bah, j'ai demandé, mais il veut pas me dire. Bah, présentez-vous au poste, on va en discuter. On est d'accord, c'est bizarre. Kaffer. Ouais, du coup, c'est par rapport à ça que tu voulais pas qu'on parle au téléphone, t'as des trucs bizarres. Mais je sais pas, c'est pourquoi. Royal, la police, ils vont me tuer. Mais ils vont pas te tuer, Royal, qu'est-ce que tu me racontes? Mais pourquoi t'as été convoqué? Ah! Je sais pourquoi t'as été convoqué! Et c'est pourquoi? C'est bizarre! Le mec que t'as piqué hier, à mon avis! Non! Mais c'est non! Sûr. Bah oui, c'est sûr! Royal, c'est sûr!